Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur notre antenne 10-12, le Zénith, votre talk show se remet encore sur les rails avec vous pour une nouvelle semaine et nous vous souhaitons la bienvenue. Merci de vous installer confortablement. N'oubliez pas qu'en réalité, tous les jours de la semaine, nous sommes avec vous pour tenter effectivement de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun et tenter également à notre façon de comprendre les tenants et les aboutissants. Et parlons bien sûr d'un cas extrêmement critique du moment. Il est prisonnier, il est bien sûr à la prison centrale de Koningué où il y est enterré depuis des années aujourd'hui. Il s'agit bien sûr du professeur Gervais Mendozé, dont selon des allégations et des informations en nos possessions, le prisonnier aujourd'hui serait en train de peser environ 35 kg. Il a été aperçu justement au courant de la semaine très amaigri effectivement et on se demande pourquoi autant de temps justement derrière cette prison. Le professeur Gervais Mendozé mériterait-il aujourd'hui avoir une évacuation sanitaire ou pas? La question en même temps est posée, mais surtout le regard que l'on devrait jeter sur l'ancien directeur général de l'Office national des radios-télévisions du Cameroun aujourd'hui. C'est une question hautement importante car sachant que l'homme est derrière les barreaux aujourd'hui, il a été contraint à demander que les nombreuses réactions des Camerounais sur les réseaux sociaux lui parviennent. Aujourd'hui, il a regardé ses réactions et selon les dernières annonces en notre possession, le professeur Gervais Mendozé s'est vu obligé de couler des larmes car il n'imaginait pas qu'il y avait des Camerounais qui l'aimaient tant. Et aujourd'hui, on se demande s'il mériterait bien sûr avoir une éventuelle évacuation sanitaire. La question est aujourd'hui au cœur d'un certain entretien qui se mène quand même dans le sérail. Gervais Mendozé devrait-il toujours rester incarcéré à Koningué quand on sait que lui, qui a été longtemps directeur général de la CATV, connaît aujourd'hui une incarcération à la suite justement d'une opération épervier initiée par le gouvernement camerounais aujourd'hui. Madame, messieurs, regard croisé, on en parlera absolument dans cette édition, quand on sait aussi que Marlène Mvoutou, dit-elle, en tant que fille adoptée de ce procès, Gervais Mendozé, est ressortie et a fait un certain nombre de propos, a laissé un certain nombre de propos qui nous amènent à nous interroger davantage. Nous en parlerons assurément dans cette édition. Et ça ne cesse de bouger absolument dans le sérail camerounais en ce qui concerne Sa Majesté Sokoundjou, faux Sokoundjou de Bamendjou aujourd'hui. Notables ont choisi s'exprimer encore ce week-end à travers une grande tribune pour dire bien évidemment au préfet Yampen Ousmanou de se méfier. 46 ils étaient au total et ont choisi effectivement de faire entendre leur voix à la suite des deux missives envoyées au chef de la communauté Bamendjou aujourd'hui. Comment comprendre en réalité que ces chefs qui ont choisi, ce chef qui a choisi de ne pas faire chemin avec le gouvernement en place, mais surtout de critiquer, d'envoyer des messages aussi importants à la communauté camerounaise, soit aussi durement, on va dire, combattu. Les questions évidentes se posent encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Charles Amène Mbatiou est avec nous ce matin, comme c'est le cas tous les matins. Bonjour à vous, monsieur Mbatiou, et bon début de semaine. Bonjour, monsieur Michel Ngatchou. Bonjour à tous les téléspectateurs. L'axe Douala, Bafoussam, Banganté, Bangou, ça ne vaut pas la peine. Monsieur le ministre des Travaux publics, vivement que des efforts soient faits pour l'aménagement de cet axe routier. S'il vous plaît, on en a marre de voir des gens rester sur le carreau à cause de la route. Il est de votre responsabilité de travailler à l'entretien et à l'aménagement des axes routiers. Même les frais de cantonnage qui sont déboursés, allez voir les axes. Les herbes ont envahi, mon Dieu, absence de visibilité, je ne parle pas de l'éclairage, mauvais état des axes. Ce sont des enfants qui se retrouvent à des endroits à verser la terre, verser un peu pour permettre aux gens de pouvoir circuler. Hormis les accidents. Passons, puisqu'on reste dans le domaine des axes routiers, qui est en train de torpiller la veuve Tala Voyage? Depuis 2007 que son mari est décédé, même un copec, elle n'a pu percevoir. C'est la justice camerounaise
et c'est des dépatouillages. La pauvre veuve n'a pas de quoi se nourrir, pourtant son mari a laissé de l'argent. Ce sont les juges et certains individus qui mangent l'argent de la pauvre, l'abandonnant avec les enfants. Seigneur. Et parlons bien sûr de la fête à la voyage, Charles Amel Mbatiou. Selon des informations en notre possession aujourd'hui, cette veuve est en train de revendiquer les droits qu'aurait laissé son défunt époux et qui seront aujourd'hui confisqués par un fils en même temps de la famille, entre autres un fils adopté par ce dernier et qui avait quand même le secret, on dira, qui avait tous les documents de cette famille et qui a choisi aujourd'hui de confisquer non seulement les voitures, les biens, laissant la pauvre veuve justement dans cet état aujourd'hui. Mais ce qui est quand même curieux, c'est que la justice gabonaise, après moult interventions, moult appels, ne se prononce toujours pas et le sort de cette famille reste en réalité entre les mains de la justice qui aurait choisi aujourd'hui de se taire. Comment peut-on se taire en tant que justice devant une injustice aussi criarde? On en parlera absolument. Bonjour à vous, Mbomo Bengan Kanje. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Justement, si je me mets à votre suite, c'est pour vous dire comment et combien et plusieurs fois je dénonce ici ce que vous appelez état de droit, la justice. Et que vous dites, oui, on a pris chez les Français, on a pris ici, il n'existe pas de justice au Cameroun. Un problème de succession se règle en 2-3 minutes. Quand j'ai dit 2-3 minutes, ça se règle plus vite, quelquefois même 9 jours avant même le funérailles du mari, du défunt. Ou alors, si ça se complique pendant le funérailles, ça se règle. Ici, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Ce monsieur, bon, il faut prononcer le mot, oui, peut-être, pourquoi pas. Monsieur Gassier Clovis, oui, il faut prononcer parce qu'il a hérité, il a bénéficié des largesses de son papa, parce que vous avez oncle et tout ça. Elle a bénéficié de la geste justement pour diriger en lieu et place de son papa, de son vivant, M. Kameni. Tout le monde connaît l'affaire. Même les justices qui rendent les décisions Kahin, Kahan et tout, ils savent bien que ce monsieur bénéficiait des largesses et tout. Et tout le monde savait, parce que c'est comme ça que nous on transmet les héritages ici chez nous. Maintenant, à la mort de son papa, c'est comme ça que nous l'appelons. Vous allez parler de oncle, il n'y a pas de oncle. Il a pris tout et créé ce que lui l'appelle Maryland, une compagnie marylandaise, en transformant le titre de Tala Voyage. C'est comme ça que Tala Voyage a disparu. Voilà. Et que Maryland, en vertu de quoi écrit. Et maintenant, la veuve veut donc voir un peu plus clair. On torpille ça depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Voilà comme la situation, il vient maintenant. De 2007 à 2021 quand même. Oui, tout à fait. Et si on avait donc une justice, et quand on vous demande de vous référer, si le corpus de loi du Cameroun dit Mbombok, les Kamsi, les Kungan, les Tuts, comment on doit donner nous les possibilités pour voir la vérité? Parce que quand on prête serment, le juge qui prononce son verdict au nom du peuple, on doit être sur le chemin du droit, de la vérité, de la justice, de la vérité. La vérité est où? La vérité est que ce monsieur Ngassé a trafiqué et créé une entreprise Maryland dans son nom en tuant Tala Voyage, c'est tout. Maintenant, les tripadouilles, non, il n'a pas, c'est elle qui l'a, pourquoi il a, elle a, la veuve n'a pas attendu. Justement, quand vous avez un fils que vous avez adopté, vous lui donnez toutes les commodités, lui dites, sachant que vos enfants qui sont ses petits frères, il va les porter demain. Et quand on entre donc dans les patrouillages et tout, la justice aussi dit, est-ce que j'étais là? On commence à cour d'appel du centre aujourd'hui, de l'Est là-bas, police judiciaire est montée. On vient même casser les décisions de la cour suprême. On jongle. Il faut revenir à la justice traditionnelle. On va régler ça. Je le dis à Mondo Vision, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut régler de manière claire. Elle est veuve, la orpheline n'arrive pas. Parce qu'a eu, j'allais dire, la malchance de confier à un de ses fils la gestion de ses affaires, et vous traînez, ça me règle ça. Très bien. 14 ans comme après, c'est une situation assez extraordinaire. En réalité, on devrait passer. Merci, madame, messieurs. Si 14 ans. Les enfants sont là, 14 ans, une veuve. C'est quoi cette histoire? On parle bien transformer une agence de voyage en une autre.
sans être d'ailleurs le principal, hein, on va dire, dépositaire de cette agence-là. Et devant la justice camerounaise, on est conscient de cela. Aucune poursuite judiciaire. Et malgré les poursuites du CIEM, d'ailleurs, il y a, on va dire... Parce que les gens ont l'habitude de dire, dès que papa est mort, vraiment, les enfants n'ont pas pu... Il y avait tout le processus là, et tout, j'allais dire, tout le matériel, tout ce qu'il fallait pour que Tala Voyage continue. C'est bien dommage. Oui, on vient un jour, vous trouvez que Tala Voyage devient Maryland. Transformé par qui? On ne sait pas. Par celui à qui on a fait confiance. Comment... Et maintenant, vous saisissez la justice. La justice vous déboute. Merci beaucoup, Mouan Bengane. On va rester très vigilant quant à l'évolution de cette situation, madame, monsieur, pour tenter de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui se passera dans les jours à venir. Bonjour à vous, mademoiselle Santia. Bonjour, Michel Ngachou. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Dominique Audrey-Engelec. Bonjour Michel Ngachou, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je porte la voix de nombreux Camerounais qui en ont marre des sociétés de téléphonie mobile. Aujourd'hui, lorsque vous faites vos 100 francs, 100 mégas, à peine vous vous connectez, vous êtes à 85 mégas. Donc, je crois qu'on a le droit de demander à Camtel, parce que Camtel, c'est notre chose. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Donc, on a le droit de demander à Camtel de faire quelque chose parce que ces sociétés étrangères sont en train de nous étrangler. Camtel ne fera rien en réalité parce qu'il faut interpeller le ministère des Postes et Télécommunications. Ou l'ART. Camtel devrait nous mettre sur pied. Voilà, c'est ça qu'elle veut dire. Ah, d'accord. Elle Il y a le net camerounais, malheureusement. Est-ce que c'est suffisamment utilisé? Il y a le net de Camtel. Il faudrait promouvoir. Faudrait promouvoir et donner des prix qui vont venir mettre à mal ces autres-là. Parce que c'est fatigant à un moment. Moi, ma fille, comme je ne vais pas maîtriser vos choses-là, Jérôme me dit, voilà tel miracle que vous avez. 10 minutes après, c'est fini. C'est fini. Alors qu'avant, les mêmes gars me faisaient ça. C'est trop. Après, quand je demande encore d'autres mégas, on me dit que non. Au quotidien, vous avez dépassé le quota de... Voilà. Les gens n'arrivent même plus à terminer une journée avec un giga. Et le mal, c'est que parfois, lorsque vous appelez ce qu'ils appellent service client, la condescendance avec laquelle ces gens vous gèrent, c'est ahurissant. Mais lorsque vous savez comment eux, ils travaillent, par exemple en France, là-bas, quand un client n'est pas content, ils ont la possibilité d'envoyer du crédit. Ils mettent les clients à l'aise. Mais lorsqu'ils arrivent ici chez nous, c'est du gros n'importe quoi, puisque nos sociétés en charge de la téléphonie ou bien des télécommunications ne font absolument rien. Donc, ça en est de trop. Si quelqu'un souffre toute la journée pour mettre ses 100 mégas, il doit utiliser ses 100 mégas. Auquel cas, on va casser vos puces. En tout cas, en espérant Et on va aller à Camtel. Oui, Camtel vous appelle et puis vous d'abord vous... Qui donne des prix accessibles. Et puis aussi. Camtel en montre à tout le monde. Bon, en tout cas, on verra ça dans les jours à venir. Merci beaucoup Dominique Audrey. Voilà. Madame, monsieur, laissez-nous bien sûr vos messages comme c'est le cas tous les matins pour vous qui nous regardez en direct sur Equinox TV. Nous sommes sur Facebook également avec ce compte-là ou encore sur 10-12 Zénith, toujours sur Facebook. Le numéro s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Envoyez-nous vos commentaires, vos réactions au sujet qui seront développés sur ce plateau. Et nous commençons effectivement avec l'histoire du jour de Dominique Audrey. Nous sommes suspendus à vos lèvres. Supérieur, inférieur. Lèvres, voyons. Bonjour encore une fois aux téléspectateurs ce matin. L'histoire, je ne sais pas si je devrais dire et adresser à Père Momok et Charlamel, mais on a un jeune homme qui a besoin des autres. Il raconte qu'il est dans une relation avec une fille, ça fait 4 ans. Au départ, bon, lorsque la relation a commencé, la fille a eu 19 ans et lui, il était âgé de 22 ans à l'époque. Encore. Et voilà, parlant de 19 ans, je voudrais sauter aux téléspectateurs aussi les remerciements du jeune garçon de vendredi parce que la jeune fille a pu nous écouter et elle a décidé de garder son bébé. Donc, merci à vous d'avoir sauvé 2 vies. D'accord. Voilà, quand on a terminé les téléspectateurs. Vous également, puisque vous avez donné vos avis. Du moins, on a juste porté cela sur notre tribune. Voilà. Voilà, donc, lorsque la fille a eu 19 ans, ce jeune homme a voulu engager la procédure du mariage et s'est rapproché des parents pour demander la fille, pour l'épouser. Mais les parents de la jeune fille lui ont dit non, notre fille, elle n'a que 18 ans, c'est trop tôt pour le moment, qu'elle aille d'abord à l'école et ensuite
votre mariage, on pourra le programmer. Le garçon dit qu'il a pris d'un mauvais œil, du moins il a très mal pris parce qu'il était suffisamment prêt pour pouvoir assumer une famille à ce moment-là et il a décidé de se retirer. Et malheureusement ou heureusement, lorsqu'il décide de se retirer, la fille lui annonce un mois plus tard qu'elle avait un retard et qu'elle était tombée enceinte. Le papa de la fille a fait ça un problème. Il a fait de ça un scandale. C'est allé dans tous les sens. Et lui et quelques membres de sa famille se sont déportés chez le papa de la fille pour dire non, vraiment, papa, ne vous inquiétez pas. Ok, on a fait une bêtise. Mais pour vous prouver ma bonne foi, je suis venue et je vous dis que je suis prêt à m'occuper de votre fille et de mon enfant. Aujourd'hui, l'enfant est né. Il dit que ça a été du mépris, des offenses de tous les côtés. Mais malgré tout, aujourd'hui, 4 ans après, il est prêt à épouser cette fille. Donc, lorsqu'il repart vers la famille de la fille, on accepte le mariage, on lui soumet la liste de la dot et tout. Mais lorsqu'il a dit qu'il voulait se marier sous le régime polygamique, la famille de la fille lui a dit non. Non, Noé, tu vas de ton côté et ma fille reste de notre côté. Il n'y a pas de mariage polygamique possible avec notre fille. Donc, il dit qu'on lui a donné un certain nombre de conditions parmi lesquelles il doit payer la dot, il doit faire le mariage à la mairie, il doit faire le mariage à l'église et là, on lui donnera la fille. Et à la question de savoir pourquoi c'est comme ça. Il y a des familles comme ça, Michel Ngachou. Je veux comprendre. Si j'ai dit que la dot, elle m'appartient. Le reste, on n'a rien à foutre. Jamais. Donc, à la question, je lui ai posé la question, savoir pourquoi la polygamie. Il dit, first of all, la fille ne se comporte pas bien. Et depuis, elle ne flatte pas sa famille à lui. Il va où donc, en fait? Si cette fille ne se comporte pas bien, il va dans où? Bah, il l'aime, non? Et hein? Aussi, à côté de ça, c'est que la fille veut seulement faire 4 enfants et lui, il en veut plus. Donc, il ne veut pas se contenter d'avoir... On n'est pas, comment on dit ça, il faut qu'on soit quand même sérieux. Attendez. Il nous porte une histoire. Oui. Lui, il sent que la fille qu'il va épouser... Ne flatte pas sa famille. Non, ne se comporte pas déjà bien. Ouais. Mais il veut quand même y aller. Il aime. Il aime. Mm-hmm. Donc, la même famille dit qu'on ne veut pas la polygamie. Mm-hmm. Il va quand même. Non, c'est là qu'il veut qu'un bonbon qui ça. Non, il pose ses problèmes. La même famille, justement, lui impose l'église et tout ce qui va aller avec. Mm-hmm. Malgré tout ça, quand même, il s'est dit, bon, d'accord, je vais exposer mon problème. Elle ne veut que 4 enfants et lui veut plus. Bon, concrètement, il veut qu'on lui dise quoi? Comment il peut faire pour la convaincre et convaincre sa famille? Certainement, les polygames nous diront, moi je ne sais pas, comment l'amener à accepter la polygamie et sa famille aussi. Il faut des convictions pour ça, Mouron Bengan. Il faut être convaincu pour se rendre compte que la femme qu'on a semble être une mauvaise femme. Je ne vais pas dire « semble être une mauvaise femme ». D'abord, la première chose... Nous n'accordons pas la même signification aux mots que nous utilisons. Vous vous dites aimer. Nous, c'est pas ce qu'on dit aimer une femme qu'on veut épouser. Bon, à ce moment, moi, je vous disais qu'on n'épouse pas la femme qu'on aime. Ou si vous voulez, on peut poser ça d'une autre manière. On peut apprendre à aimer. Le gars a déjà des arguments qui militent pour la polygamie. Je veux beaucoup d'enfants. Je veux beaucoup d'enfants. Est-ce que la belle famille ne veut pas beaucoup d'enfants? Donc, je veux plus de 4 enfants, si vous voulez. Ça, c'est un argument qui milite pour la polygamie. Si une famille refuse ça... Mais pas forcément. Il y a des femmes qui font plus d'enfants que ça. 6, 7, 8, 10. Ma maman en a fait 9. Voilà. Donc, et aujourd'hui, dit à la femme, je veux 4 enfants. Elle va me dire, non, les seins vont tomber, les ceci, les cela. Et tout, des conneries qui n'ont rien à voir. Alors que même si vous n'allaitez pas votre enfant, les seins vont tomber. Automatiquement. Voilà, ça va tomber. Donc, le gars a des arguments. Mon fils, reste droit dans tes bottes. Maintenant, dans aimer, j'allais dire, j'entre dans votre registre. Oui, aime ta femme. Tu as découvert en elle un certain nombre de choses qui permettent d'être avec elle. Mais en corrigeant son côté relationnel avec ta famille, là, ça peut se corriger. Et pour corriger ça, maintenant, mettez vos deux mamans en communion. Donc, le mariage commence par la cuisine. Vous avez commis une erreur pendant 4 ans. Il fallait laisser. En fait, vous devez vous éclipser. Vous laissez vos deux mamans, vos deux parents, vos 4 parents, j'allais dire entretenir ces relations-là. Et
c'est tout, c'est comme ça que ça se fait. Maintenant où vous avez mal abordé ce problème, vous voulez l'avoir rester ferme dans vos lieux. Est-ce que l'église, ça c'est un détail. Moi je me suis marié à l'église à l'époque, mais ça ne m'empêche pas d'être polygame. Mm-hmm. Voilà, donc l'église ne va pas célébrer le deuxième, le troisième mariage, mais le premier mariage, même s'il est de régime polygamique, l'église célèbre. Donc ça c'est pas un, c'est un détail. Tu vas célébrer ton mariage à l'église parce que ça va de l'harmonie du couple, mais tu vas faire ta polygamie plus tard. Les autres mariages ne seront plus célébrés à l'église. On vous dira pas. La famille est contre la polygamie. À ce moment, ce n'est plus vous. Ce n'est plus vous le problème. La fille ne dira pas demain que vous l'avez abandonné. Donc, restez ferme, soyez polygame, ne changez pas. Ne changez pas votre régime. Ne changez pas. Très bien. Est-ce que c'est important justement de continuer dans cette lancée, Karine Santia? C'est un jeune garçon qui pose un problème. Il a 22 ans aujourd'hui? Non, il avait 22 ans. Il avait 22 ans. 22 plus 4. Ça fait 26 ans aujourd'hui. Il n'est pas très, très jeune pour se marier. C'est normal, à 26 ans, il veut le faire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire concrètement à ce garçon, Karine? Est-ce qu'il devrait continuer à poursuivre son aventure ou bien stopper et aller ailleurs? Aujourd'hui, il dit que quand la famille fait blocage comme ça, il pense à ses investissements et tout. Non, on ne doit pas penser à ses investissements. Quand on donne, on donne. Ce n'est pas le mariage ou l'institution des enfants, ce n'est pas un investissement, on attend le retour. Voilà. Si vous voulez le retour, c'est que les enfants réussissent. Oui. Voilà. Ce que la main gauche donne, la main ne doit pas le savoir. Parce que, voilà, et en plus que la dot ne finit pas. Donc, ne vous fiez pas à la liste. Alors, Karine, qu'est-ce que vous en dites justement ce matin? Il doit poursuivre son aventure avec cette fille ou pas? Moi, je ne sais pas. Lui-même, il sait. N'est-ce pas? Lui-même, il sait. Je pense que lui-même, il sait ce qu'il veut. Il sait déjà qu'il veut être polygame et la fille ne veut pas. Il sait ce qu'il doit faire. Mmh. Il ne peut pas la forcer à accepter la polygamie s'il n'a pas, il n'arrive pas à la convaincre. C'est pas la famille de la fille qu'il va convaincre, par exemple. La famille de la fille elle-même n'est pas très d'accord avec ça. Donc, il ne peut pas aujourd'hui nous dire. Il peut maintenant expliquer le fait qu'elle ne veut pas accepter la polygamie. En même temps, elle n'est même pas une bonne femme. D'ailleurs, elle ne veut même pas se lier à sa famille. En plus, donc, il a cité tellement de problèmes périphériques que quand vous comprenez le véritable problème de ce garçon, vous voyez bien qu'il veut qu'on lui donne un conseil qui va le séparer de cette fille. Mais il n'a pas il veut qu'on lui donne la petite astuce qui pourra lui donner raison de quitter de la vie de cette fille. Mais il peut partir comme ça? S'il veut. Parce que la vérité dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup trop d'incompatibilité. Beaucoup trop d'incompatibilité. La fille est dans une famille où au départ, on ne voulait pas du garçon à la base. Il a fallu qu'il y ait un enfant. Quand l'enfant arrive, ok, on commence quand même à accepter, mais jusque-là, on est quand même fâché. Vous sentez bien que depuis le début, la famille du gars aussi n'a même pas essayé d'apaiser. Il n'y a pas de relationnel. Vous voyez qu'il n'y a rien. C'est seulement eux deux qui existent. C'est seulement tous les deux qui existent. Et ça fait que même dans leur propre relation à deux, ils n'arrivent pas à trouver de consensus. Ils n'arrivent pas à trouver de compromis. Ok, la fille elle veut quatre enfants, lui il veut plus d'enfants. Est-ce qu'on ne peut pas s'arranger et puis au moment venu, on trouve une autre solution? Parce que parfois vous arrangez à avoir seulement deux enfants, mais au moment venu, l'enfant est bon à tout le monde. Vous en faites plus. Oui, les filles d'aujourd'hui. Bon, ce n'est pas une affaire de les filles d'aujourd'hui. Si la fille a pu enfanter chez eux, on comprend bien qu'elle veut le garçon, mais il y a quand même... Il y a quand même des choses qui ne marchent pas ensemble. Ce n'est pas seulement à la femme de faire des compromis dans ce genre de relation. Les hommes aussi peuvent faire des compromis. Maintenant, s'il accepte la fille malgré lui, qu'il laisse. D'accord. Parce que... C'est bon conseil? Oui. S'il accepte la fille malgré lui, parce qu'il cite beaucoup trop de choses qui nous poussent à comprendre que lui, il est maintenant même dans cette relation que comme ça. Et ce n'est pas important. C'est mieux de laisser. Un jeune garçon comme ça, est-ce qu'il ne devait pas être heureux s'il poursuit... S'il se met cette aventure ou bien... Vous voulez qu'il se sépare de la fille, pourquoi? Michel Ngatchou. C'est la fille qui veut partir. Mais elle aime le garçon et elle n'est pas prête à le partager. Donc, l'histoire de polygamie... Si vous avez une fille qui ne se comporte pas bien, vous faites comment? Qu'est-ce que vous mettez dans le pas bien se comporter? C'est ce qu'il dit dans son histoire. Est-ce qu'on peut pas bien... Il parle de flatter sa belle famille. L'histoire de flatter la belle famille, là, moi, ça m'a toujours posé un problème. Ça va toujours poser un problème.
parce que ça laisse transparaître que le garçon subit des pressions venant de sa famille. Hein, tu dis que tu veux épouser la fille, hein? Elle ne peut pas venir laver les habits de ta mère ici. Elle ne peut pas venir faire à manger à ta soeur là-bas. Elle ne peut pas aller au champ avec ta cousine là-bas. C'est ça, en réalité. Qu'est-ce qui, empêcherait une femme qui doit se marier de prendre la peine de se rapprocher suffisamment de sa belle famille et de l'intégrer? D'intégrer justement la belle famille. Se rapprocher, intégrer. Je ne sais pas, il y a plusieurs formules. Intégrer. Parce que lorsque vous faites justement, il y a des contacts permanents avec la famille. Qui doivent se faire dans les deux sens. Effectivement. Voilà. Hein, mais lorsque vous faites justement ce rapprochement, c'est à vous justement de faire montre d'une bonne éducation quand même, non? En ce qui concerne la belle-mère, moi je dis toujours que si c'est la belle-mère et le beau-père, d'accord. D'accord, on peut courber les chines. Et avec le reste... Mais le reste, on s'en fout. Pas qu'on s'en fout. On fait ce qu'on a à faire, mais maintenant, on ne va pas faire comme si c'était... Non. Je ne pense pas qu'il doit avoir... Mais la belle et le beau-père ont fait des enfants aussi, hein, parce que ce sont des familles qui s'unissent. Justement. D'accord, non? Justement, on se met donc maintenant à la place du parent de cette fille qui on demande de faire l'impossible pour plaire à la potentielle belle famille. À la potentielle belle famille. C'est quoi l'impossible qu'on lui demande ici? Hey. C'est quoi l'impossible? Flatter? Oui. Flatter veut dire quoi? Pourquoi elle doit flatter? Non, pourquoi les belles familles ne peuvent pas accepter les gens comme ils sont? Ne devrait-elle pas faire preuve des bonnes attitudes, d'assiduité? Ça signifie quoi? De bons comportements? Assiduité. Bah oui, mais elle n'est pas à l'école. Vous voulez quoi? Qu'elle aille dans un foyer et qu'on lui dit ah, elle monte, non, descend, non, elle descend. Non, c'est quoi l'assiduité dont vous parlez? Lorsque l'on cherche le mariage, lorsque l'on est une fille, oui, et on va épouser un garçon, vous êtes fiancé, dit n'importe quoi. Et que de temps en temps, comme il y a des rapprochements de la famille de ce garçon, mais ce qui est rien, c'est que c'est l'homme qui épouse la femme. La femme et se marie. C'est la femme qui choisit. Si la femme choisit quoi? Oui, elle choisit l'homme. L'homme choisit sa femme. Non, c'est la femme qui choisit, madame. Michel. L'homme épouse la femme. Donc l'homme va chercher sa femme. Je choisis mon mari. Allez, Carice, c'est en tout cas. Donc il n'y a que, hein, si la fille n'avait pas fait de rapprochement avec la famille du garçon, je crois qu'il l'aurait mentionné. Mais ici, il parle de flatterie. Donc, on s'attend à ce que la fille fasse de la lèche. Mais vous n'exagérez pas. Non, vous n'exagérez pas. Ah, ok, vous estimez que vous pouvez dire qu'elle a de mauvaises attitudes et ce n'est pas exagéré. Non, mais vous voyez l'histoire, c'est ce que nous dit. Seconde, si vous permettez. Vous demandez à votre copine d'être un peu plus douce dans ses relations, dans son relationnel. Vous dites que c'est de demander de faire des couvertes. Oui, ben bon boc. Franchement. Sinon, si... Après demain, vous ne viendrez pas dire que lui-même, il n'a même pas enseigné à sa femme que il n'a même pas voulu... Voilà. Lui, la femme fait quoi pour constate plaire? Que la femme a... Lui, non. Il a fait quoi pour plaire au la père femme de la ne nous, sa copine ne nous dit rien. Donc ah, on non, sait mais, pas. Mais lui, il ne s'entend pas avec les parents de la fille. Bah, pour polygamie. Et mais ce n'est pas côté relationnel. Un garçon qui vous dit que parce que les parents de la fille lui ont dit que notre fille doit d'abord aller à l'école, il décide de la barrer pour ça. C'est un garçon, ça. C'est un garçon responsable et sérieux, ça. Oh, vous ne comprenez pas. Non, écoutez. Il aime une fille. Il va dire aux parents de la fille, je vais épouser. Et les parents lui disent que non. À 19 ans, notre fille doit encore aller à l'école. Vous allez vous marier plus tard. Il dit que, ok, comme ça, moi, je préfère partir. Et il a mis la fille enceinte. Il a piqué. Non, non, Denis, écoutez. On va pas être juge quand même. Parce que nous tentons. Non, ça dérange. Non, c'est pas ça dérange, madame. Mademoiselle, Denis. C'est du deux poids deux mesures. Non. Donc ce que je dis, Michel, non, monsieur Ngachou, s'il y avait séparation, ce serait plus rencontré. Ça veut dire que pendant les 4 ans, il y en avait, il se voyait. L'enfant est venu, non? Si l'enfant n'était pas venu, il serait parti parce que les parents lui ont dit notre fille va à l'école. Donc c'est d'abord la preuve que le garçon n'est pas sérieux de base. C'est d'abord que le garçon est sérieux et assidu. Il a dit oui. Je reste. Je reste parce que avec notre fille, il a attendu 4 ans. Il est venu à sa famille. C'est ça donc les bas d'un garçon sérieux, justement. Très bien. Il est resté calme pendant 4 ans. Voilà. Maintenant, il veut matérialiser les 26 ans. Le garçon, il dit que... le garçon au fond, n'est pas bien. Parce qu'aujourd'hui, que les parents... Ok, il veut avoir beaucoup d'enfants, il veut avoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas calculer à l'avance. La fille dit, moi, je veux 4 enfants. Mais elle ne sait pas ce que l'avenir lui prévoit. Peut-être elle ne pourra en faire que 2. Peut-être elle pourra en avoir 11. Donc, à la base, elle peut dire
non, je n'en veux que 4. Le garçon lui dit, moi j'en veux plus. Je pense que Dominique connaissait parce qu'on doit être polygame. Oui, et qu'elle ne veut pas. C'est logique, non? Et lorsque justement le gars lui fait juste le constat, il fait le constat justement que sa fille ne se comporte pas bien. Mais qu'il la laisse, non? C'est la solution. Qu'est-ce qu'il faut appeler pour comporter bien? C'est la bonne solution. Si la fille était polie, si elle était mal apprise envers ses parents, il n'aurait même pas envisagé de l'épouser. Donc, c'est vous qui avez dit qu'elle aime, que le gars l'aime. Oui, le problème dans son problème, c'est au niveau des flatteries. La fille est normale, elle a une attitude normale, mais on voudrait qu'elle fasse de la lèche de temps en temps et qu'elle aille cirer les pompes des soeurs. Qu'elle aille cirer les pompes et tout. Mais comme elle ne le fait pas, on va lui donner une couche. Charles Amel Mbatu, justement. Est-ce qu'on va dire. J'espère que vous allez le couper, hein. Quand vous, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de lèche là. On vous dit, je ne veux pas que demain, en rentrant du travail, je trouve que maman et toi, vous êtes dans les bisbilles. Non, je te vous donne pouvez, vous pouvez commencer mais à les résoudre là maintenant. Je peux me tromper. Lorsqu'on veut épouser une femme. La polygamie. Non, je ne suis pas là. Non, je suis pas là. Je veux comprendre. Ouais. Comme tant de téléspectateurs qui me regardent. Ouais. Moi, je vais épouser une femme. Oui. Je me rends compte qu'elle se comporte mal. Qu'elle ne flatte pas ta famille. Ah, non, je me rends compte qu'elle n'adhère pas avec les données de ma famille. C'est-à-dire. Non, on n'explique pas. Je me rends compte que ça ne marche pas. Tu dis que c'est comme ça. Bon, prenez la vie sur la main. Votre avis, je vous en prie. C'est l'histoire de ce matin. Et la famille ne peut pas lui tenir la main, la guider. Parce qu'on parle de concept. Mais je ne veux même pas famille. Je ne veux pas mal. Monsieur Michel Ngachou, vous m'avez donné la parole. Non, ici là, je prends mon temps de parole. Je ne peux pas vous laisser une seconde. Monsieur Michel, je dirais à ce garçon de ne pas épouser cette fille. Il ne la mérite pas. De ne pas épouser cette fille parce qu'il sera très malheureux. Ouais. Il sera très malheureux parce qu'il y a une forte présence parentale dans sa relation et dans sa vie. Et la fille elle-même est une moutonne, c'est-à-dire, excusez l'expression, elle suit bêtement, sans chercher à faire une quelconque analyse. Papa a dit, maman a dit, je me plie, je marche. Ah. Monsieur Michel Ngachou, aujourd'hui on doit réfléchir. La famille n'a qu'un seul droit, donner la main de la fille. La famille n'a qu'un seul droit. Karine Sondia, tu le veux, oui, tu le veux, oui, hein. Prendre par bénédiction. Lorsque c'est la famille qui va me dire comment je dois faire aller à l'église, je dois aller danser la salsa sur la colline, je dois danser le mangambo dans l'eau. Mais attendez, papa aimait trop Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Je dois interpréter Johnny Hallyday. Sylvie, attendez. Mais monsieur Michel Ngachou, ce n'est plus ma femme, c'est la femme de mon beau-père. C'est la fille qui continue à rester la fille de mon beau-père. Ce n'est plus ma femme. Donc par conséquent, ce mariage n'a plus lieu d'être. Parce qu'il y a trop d'émissions. Premier point. Non, non, ce n'est pas un conflit. Ce n'est pas un conflit. J'ai doté. Alors, s'il vous plaît, vous me remettez ma femme. La première chose, nous avons des monopolygames extrêmement dangereux. La ville de Douala a plus de monopolygames que de polygames. On compte, quand je dis monopolygames, vous savez, des hommes qui ont signé monogamie, mais qui dehors sont des robins des bois. Ils ne laissent personne respirer, ils ne laissent aucune fille passer, ils sont derrière. Le soir, il remet sa bague, il va voir les bijoutiers, on nettoie, Sarah, il dit chérie, quand la bague brille comme ça veut dire qu'on ne fait pas les mauvaises choses. Alors qu'il est parti faire nettoyer la bague chez les bijoutiers. Voilà ce qu'on vit ici dehors, M. Michel Ngachou. L'autre chose, la valeur d'un homme se mesure au nombre de ses enfants. Chaque mois, un enfant, voilà comment on dit au village. S'il avait épousé cette fille à 19 ans, elle aurait eu 9 enfants et je crois qu'il serait fier. 19 ans, 21 ans, ça fait 2 ans, un enfant. 22, 21, 23, 2. 23, 25, 4. 25, 27, 5. 27, 29, 6. 31, 33. C'est la poule. La poule. Non, maman, on donnait 8, 9, 7, 10. Avec joie. Et elles sont restées dans le temps. Elles ont arrêté
Il a 35 ans, madame. Sans césarienne. 35 ans. Avec des bassins encore éclectiques comme ceux de, on va le dire, en templant. Vous parlez de quoi? Je vous coupe la chaleur, là, même pas. Non, je vous coupe là. Merci beaucoup. Non, merci. On va d'ailleurs justement. Je suis celui qui a parlé le moins sur lui. Effectivement. Je veux parler pour l'instant. Et plein de bonnes choses. Les mamans risquent de s'enjailler au quartier pour le moment en entendant le dire comme ça. Mais restez au moment. Mais on en reviendra parce que forcément, on va lire les nombreux messages et puis on évoluera dans le débat. Zéro polygamie. On entendra. Ne vous en faites pas. Merci à vous, madame, monsieur, de rester des nôtres. La colère. Tirons ce jour sur la question du détournement des primes des volontaires recrutés dans le cadre du CHAN 2021 dans ce pays. Vous pouvez lire volontaires. Ils ont eu la volonté. Ils ont suspendu leurs activités pour être des volontaires. La ville de Douala abrite deux poules pour un peu plus de 950 volontaires répartis dans les sites de Bépanda, 300, et de Japoma, 650. Précisons que leur formation a eu lieu au stade de Bépanda, et cette formation reposait sur les techniques d'accueil, 1, d'orientation, 2, d'hébergement, 3, de transport, 4. De la CAF, seuls certains t-shirts, la réalisation peut devenir sur les images, seuls les t-shirts ont été remis aux volontaires. Là où vous voyez écrit volontaire, seuls les t-shirts ont été remis. Les survêtements ont été remis à la commission protocole et appui aux spectateurs, soit un total de 100 maximum. Le reste est resté dans les restes du Cochane. Pourquoi n'a-t-on pas donné les restes
à ces différentes personnes. Quand vous arrivez dans les stades, vous voyez certains qui ont les t-shirts. Ils disent qu'ils sont les volontaires. D'autres qui ont les survêtements. Vous vous perdez. Pourtant, la CAF, ce kit complet était destiné aux volontaires. Comment comprendre cette distribution à tête chercheuse? Savez-vous que ceux de Douala ont reçu leur équipement complet? Pourtant, à Yaoundé, ça réfléchit. Comprendre le calvaire de ces volontaires. Savez-vous que certains volontaires, depuis le début du CHAN, se déplaçaient de chez eux pour venir travailler au stade sans frais de taxi? Des cris de détresse des volontaires, ils étaient assis au sol devant le bureau du gouverneur du littoral, très très en colère, revendiquant leur perdième. Tant à Yaoundé qu'à Douala, on pleure partout dans les rangs des volontaires. Comment comprendre que ceux qui ont su eux la charge de l'orientation, l'hébergement, roulent dans les véhicules de plus de 18 chevaux. On les voit avec les grosses Prado des dernières heures, avec une clim pouvant glacer jusqu'aux os. Ils se baladent dans la ville. On les trouve à marcher pour 2000 francs CFA. Comment comprendre que ces 2000 francs CFA, presque même par jour, ne sont pas remis à ces pauvres enfants? Comment comprendre qu'à Limbé, c'est toute une autre histoire, où on paye aux volontaires la somme de 20 000 francs CFA la semaine? Essayez de calculer, c'est très loin de ce qui est pratiqué à Douala. Pourquoi? Est-ce que la CAF a choisi des prix arbitraires pour Limbé, pour Douala et Yaoundé? Allez savoir. Savez-vous que ces pauvres sortent tous les jours à 6 heures du matin, travaillent matin, midi, soir, rentrent chez eux à minuit sans avoir eu la peine d'avoir un ketchup qui n'est autre que de la tomate, ou encore un shawarma qui n'est que du pain et de la viande, pour parler trivialement comme quelqu'un. Ils rentrent sans boire de l'eau, ils se plaignent, hélas, personne pour leur répondre. Or, certains responsables du ministère des Sports affirment avoir remis les frais de transport de ces volontaires. Ils ne comprennent pas pourquoi ça bloque. Comment comprendre cette hyper-centralisation des affaires à Yaoundé? Savez-vous que c'est une seule entreprise, une seule, qui semble avoir gagné le marché d'entretien des stades juste après les différentes rencontres? Une seule personne. Aujourd'hui, on se retrouve à voir des gens qui ne cessent de se plaindre. Pourquoi tant de centralisation dans la décentralisation? Comment comprendre donc ces grèves des volontaires qui semblent, on dit, avoir désamorcé la bombe, mais elles continuent de couver parce que tous ne sont plus en joie? Quand est-ce qu'on saura redonner la valeur à l'être humain dans ce pays? La question, je vous la pose. Mais bien avant vous, je l'ai posée lorsqu'il s'agissait des volontaires qu'on avait pris pour accompagner le Cameroun dans la lutte contre le Covid. Vous vous rappelez qu'à cette période, ces mêmes stagiaires, ces mêmes volontaires étaient descendus dans la rue. Ils avaient envahi les différents centres d'opération pour dire à Manaouda Malachi, paye-nous. Les volontaires vont descendre et dire désormais au ministre des Sports, payez-nous. Le Cameroun est bien sûr formidable, madame, monsieur. La situation depuis la semaine dernière est en train de dégénérer, que ce soit bien sûr à Yaoundé ou à Douala. Ces volontaires veulent absolument être payés. Mais on va quand même vous dire que pendant que nous sommes en train de faire l'émission, il y en a qui ont choisi de le signaler, on va dire gentiment, sur les réseaux sociaux, sur Facebook finalement. Et pour ceux qui nous regardent très souvent sur les réseaux sociaux, c'est dommage. Vous ne nous verrez plus depuis un petit moment parce qu'ils ont choisi bien sûr de tout faire pour que la ligne Facebook soit suspendue. Ce qui ne nous empêchera pas de commenter cette situation qui est extrêmement grave pour le Cameroun. On vous en riait. Mais c'est quand même curieux parce qu'à chaque fois qu'on fait une émission ici, les collègues de Charles Abitre mettent tellement de gens mal à l'aise qu'on choisit bien sûr de signaler nos pages Facebook. Mais nous poursuivons, car ils sont avec vous. Les volontaires se plaignent. Les volontaires veulent absolument avoir leur argent. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut expliquer une telle mauvaise gestion du volontariat au Cameroun? La mauvaise gestion du volontariat au Cameroun, je pense que c'est un peu lié au fait qu'il y a une petite confusion entre volontariat et bénévolat. On a l'impression qu'au Cameroun, nos autorités confondent un volontaire et un bénévole. Oui. Et pourtant, le bénévole, c'est celui qui fait une activité sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. Par contre, le volontaire, c'est celui qui vient dans votre activité moyennant un contrat.
sa participation, c'est moyennant un contrat. Et dans le domaine des sports, c'est vraiment récurrent parce que le sport ne peut pas exister sans les volontaires. Parce que ce sont les volontaires qui gèrent des activités comme par exemple la réception, les installations dans certaines loges et autres. Donc, on ne peut pas faire d'événements sportifs, que ce soit comme cette le CHAN, envergure. La CAN et tout ça, cette envergure, sans les volontaires. Les volontaires, c'est très important. Et maintenant, pas des bénévoles. Non, il peut y avoir des bénévoles. Maintenant, dans ce genre d'activité, il faudra rémunérer ceux que vous prenez. C'est pourquoi c'est mieux de travailler avec des volontaires et sous contrat. Très bien. Voilà. Et maintenant, ce qui se passe au Cameroun, c'est qu'on a délégué la gestion des volontaires au gouverneur de la région, des régions. Et à Douala, par exemple, c'est le gouverneur de la région du littoral, c'est lui qui est censé gérer. Sauf qu'il n'est pas la courroie directe, forcément, avec ses volontaires. Ce n'est pas lui qui, forcément, va retirer de l'argent pour payer directement ses volontaires. Ce qui se passe dans ces genres de choses, c'est que parfois, on cherche des agences qui vont recruter ces jeunes et les former. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, cette fois-ci, parfois on cherche des agences qui vont recruter ces jeunes, les former, et ce sont les agences qui vont se charger de payer ces derniers. Maintenant, si M. Mbachou dit que ce n'était pas le cas, ça veut dire qu'il y a déjà un gros bémol de ce côté-là. Il faudra interroger déjà comment est-ce que ces jeunes se comportent face aux autorités, comment est-ce qu'ils se comportent dans la pratique de leurs tâches quotidiennes dans ce genre de cas, parce que c'est des personnes formées, que ce soit les hôtesses. Tous sont formés. Non, mais c'est quand même des Camerounais qui ont été volontaires. Jusque là. Accepté de prendre. Oui. On dit, bon, d'accord, on vous donnera 2000 francs par jour. On forme d'abord. On forme d'abord, oui. Et on vous donne les 2000. Et même les 2000 qu'on est censé vous donner. On ne donne pas. Pour qu'est-ce qui peut expliquer une telle attitude quand même? Ce qui peut expliquer, c'est que soit il y a un détournement de fonds, soit il y a une courroie entre la source d'où provient les fonds pour payer ces jeunes-là et la distribution sur le terrain. Soit c'est au niveau du gouverneur et de ces jeunes-là qu'il y a un problème. Mais ce qu'il faut comprendre dans ce genre de choses, c'est que le Cameroun est quand même coutumier de ce genre de fait. Plusieurs fois, on a parlé des jeunes qui ont travaillé pour des activités. Par exemple, pendant la lutte contre la COVID-19, les jeunes docteurs, médecins qui faisaient des dépistages et autres sur le terrain n'avaient pas été payés jusqu'aujourd'hui. 15 000 jours jusqu'aujourd'hui, il y en a qui réclament. Le Cameroun est coutumier du fait de ne pas payer des volontaires qu'il recrute. Merci beaucoup, Karine. Dominique Audrey, ne pas payer des volontaires volontairement, n'est-ce pas cruel? Émane d'une certaine volonté. On peut continuer comme ça. Malheureusement, pour le cas de Douala, c'est 950 jeunes camerounais qui sont désillusionnés. Voilà. Parce que malheureusement. Moi, je ne vais même pas forcément. Parce que malheureusement ou heureusement, tout ce qui se passe dans notre contrée laisse entrevoir que les personnes qui nous dirigent, l'instance supérieure, ne nous veut pas du bien. On dit ça comme ça de façon grosso modo, ne nous veut pas du bien. Maintenant, il y a quand même des jeunes Camerounais qui gardent tout de même l'espoir que non, cette fois-ci c'est la bonne. Ils ont fait ouvert le recrutement, on a demandé de déposer les dossiers, si vous avez des permis, des photos et tout. Si jamais ça marche l'année dernière, ils ont fait la formation à partir de l'année dernière. On a dit oui, venez. Et ces jeunes-là, oui, et ces jeunes-là ont dit d'accord, on est partant, on va aller pour notre pays, on va accueillir des gens dans des aéroports, on va accompagner des gens dans des stades, on va servir de guide touristique, entre guillemets, pour ces zones-là, on va les conduire à leurs différents hôtels. C'est pour le pays, c'est pour notre pays, on le fait avec amour et passion, mais moyennant ne serait-ce que 2000 francs pour partir de chez nous. Parce que j'estime d'abord que 2000 francs, c'est une maudite somme. Ça ne représente rien. Le taxi coûte combien ? À Douala précisément. Voilà. Le taxi coûte combien? Non, et on va manger quoi? Donner l'unité de le Ben Sikin. Calculons sur le Ben Sikin. Par exemple, la moto. Que ce soit taxi ou Ben Sikin, Charles Amin Bachou. Non, restons là. On leur a demandé, on leur a dit qu'il faut être mobile. Ils doivent prendre la moto. On ne veut pas les histoires de taxi. Ils veulent la Ben Sikin parce que la moto circule et permet d'être à temps et rallier les gens. Il vous faut 2000 francs par jour pour vous mouvoir.
pour vous mouvoir parce que vous n'allez pas manger, vous n'aurez pas de crédit de communication au cas où il faut appeler quelqu'un plus haut, avoir un renseignement, les moyens logistiques sont d'abord tellement réduits. C'est quoi ce projet de volontariat? On vous dit, vous travaillez pour qu'on vous donne 2000 francs la journée. Mais à un moment donné, soyons sérieux. C'est le prix d'un manège. Ça justifie même, ce matin nous parlions effectivement de la question des enseignants. Charles, vous me permettez, Régression. Avec les enseignants qui sont en grève aujourd'hui, il y a le chargé de la communication du ministère de l'enseignement supérieur qui a reconnu que les fonds, le fonds spécial pour la recherche alloué d'ailleurs aux enseignants-chercheurs est minable. Et même les salaires, même, ils ont dit comparaison faite avec les Tchadiens, le Tchad à côté. Quand on regarde le salaire, si on revient à ce niveau, au niveau du volontariat, 2000 francs la journée, mais à un moment donné, sois sérieux. Il faudrait qu'on respecte quand même ces gens. Ce sont des jeunes qui n'ont pas d'emploi, ce sont des jeunes qui n'ont pas de quoi faire, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont même pas eu l'argent pour se retrouver sur des motos aujourd'hui. Et lorsqu'il y a le petit brin d'espoir, la lueur d'espoir ou un petit truc à faire, ils se donnent. Et comment même les pauvres 2000 ans ne leur donnent pas? Charles Amel a dit que même le pain chargé, on ne leur donne pas. Même l'eau en sachet, on ne leur donne pas. Mais est-ce qu'ils savent que c'est les enfants des gens? Comment ils sont dansés? Ce ne sont pas les leurs, en tout cas. Mais s'ils savent que c'est les enfants des gens, ils partent de leur maison. Et il y en a qui... Est-ce que les doigts d'une main, c'est sûr? Mais c'est incroyable. Mais il y en a qui quittent leur maison en se disant, bon, je vais chercher 2000 francs en ramenant, je ramènerai peut-être 1 ou 2 kilos de riz pour qu'on puisse sauter chez moi et manger. Si on peut même fouiller, Michel Ngachou. Il doit y avoir certaines personnes qui se sont retrouvées parmi ces volontaires-là par des amitiés et qui n'ont pas le même problème de 2000. Tout est possible. On en reparle, madame, monsieur. Merci de rester de nôtre. On marquera une pause comme la tradition le veut. On se retrouvera, madame, monsieur, avec la suite de la colère. Et après la colère, effectivement, nous reviendrons avec la revue des réseaux sociaux, très attendue également ce matin. Et on commentera. A tout de suite. Tout à vous, mesdames et messieurs, merci de nous rester présents, mais surtout fidèles. Comprenons-nous en réalité. Oui, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce week-end à Limbé pendant une rencontre de football? Une autre coupure d'électricité encore. Qu'est-ce qui peut expliquer que le Cameroun soit à ce niveau avec l'électricité pendant une compétition aussi importante comme le CHAN? Sommes-nous conscients quand même de l'image du Cameroun, celle que nous renvoyons à l'extérieur? On vous dira peut-être qu'en réalité, nous sommes en train de préparer la CAN à venir. Est-ce qu'avec la CAN à venir, on aura les mêmes problèmes? Question posée. Et au-delà même de cette question, Charles Amel est revenu il y a un moment avec la colère exprimée ce matin, avec les revendications estimées par les jeunes volontaires camerounais aujourd'hui et qui ont choisi de donner de leur temps, de leur énergie, de leur contribution pour une réelle et belle organisation de la compétition du CHAN en terre camerounaise. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'organisation de ce CHAN choisisse effectivement de ne pas payer ses volontaires volontairement? On peut s'excuser justement pour la répétition, mais c'est qu'en réalité, on va comprendre le fond de cette histoire ce matin. Depuis la semaine dernière, il n'arrête pas d'écumer en même temps les bureaux du ministère des Sports et de l'Éducation physique, tentant de rencontrer celui qui en réalité est en charge du recrutement de ces volontaires. Ils ne sont pas seulement des volontaires, mais surtout il y a des danseurs. C'est important de préciser. Tous ceux qui ont fait la cérémonie d'ouverture du CHAN au Cameroun aujourd'hui, il y en a qui ne sont pas payés et revendiquent d'être payés. À côté de ces derniers, il y a des volontés effectivement. Mais au-delà de cette question, de cette colère qui s'exprime sur la gestion, bien sûr, des Camerounais volontaires pour une compétition aussi importante comme celle-ci, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'en réalité le gouvernement camerounais soit muet face à une pareille situation? Les Camerounais également, pourquoi ne pas s'en indigner pour inviter le gouvernement camerounais à restituer ce montant? Peut-on peut-être créer un bon Bengan, un nouveau hashtag? Je veux mon argent en tant que volontaire. Je veux mes 2000. Ce qui peut sauver le Cameroun, c'est la lutte unie sur tous les fronts. J'aime souvent prendre cet exemple. À partir des femmes qui coupent le coq au marché, vous avez reçu les enseignants ce matin à la radio. Voyez donc un professeur titulaire des universités.
il n'a pas un salaire de 500 000, alors que son collègue en Côte d'Ivoire a 1 million. 2 millions. 2 millions, donc il a un salaire de 7 chiffres. Lui, il est encore là. Il n'arrive pas à avoir 700 000 de salaire. Et ne prenons pas les nouvelles recrues. Lui aussi, entre 180 000 et 200 000 francs. Si on ne fait pas une lutte unie sur tous les fronts, on est foutu. Dominique Audrey posait la question de savoir est-ce que ces gens... Non. Justement, ils vivent du sang des Camerounais. S'ils ne vous ont pas encore piétiné, ne vivent pas. Je ne sais pas celui qui leur a dit que leur épanouissement passe par l'anéantissement des autres, alors qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que nous vous disons généralement que dans les proverbes africains, on vous dit « la souris n'est pas l'esclave de l'éléphant ». Les deux peuvent organiser leur vie et s'épanouir chacun dans son environnement. Le volontaire a besoin de ses 2 mètres par jour. Il n'a pas besoin de voitures climatisées où on met Chan ou tout ce que vous voulez. Ça ne l'intéresse pas. Il est habitué au soleil, Ben Skin, sachet d'eau de 50, alors que vous avez l'eau importée. Ça, il ne s'intéresse même pas à ça. Mais donnez-lui ses 2 000 pour prendre son Ben Skin et son eau de 50 plus. Demi maquereau 250 et planter un bâton de 50. Voilà, il mange, lui ça, ça suffit. Voilà, non, parce qu'au stade, ils sont deux, ils achètent un maquereau de 500. Deux bâtons chacun, ils coupent ça en deux, chacun a un sachet d'eau. Il boit, il est tellement content que même vous pratiquez avec vos prados là, vraiment, il ne vous regarde même pas. Il est même content de votre déploiement. Mais il se trouve donc quoi hier, donc, et n'est-ce pas là l'information. Après ce que Chalamel a dit avec raison, depuis jeudi, il commence à gronder. Le coordonnateur au camp de littoral, du champ, hein, le littoral, c'est le gouverneur, tout comme son collègue du centre, celui du sud-ouest. Lorsque les volontaires grondent, commencent à s'énerver, ils s'énervent pourquoi? C'est donc le sud-africain. J'ai dit bien un sud-africain, coordonnateur général du site de Yaoundé, un certain Kabelo Bosilon. C'est lui qui a fait toquer les portes à Itoudi. Il dit, cette histoire, c'est quoi? Comme c'est un étranger, et il a quand même un rang, et il a fait Cafou, le TAS et FIFA sont dans des choses compliquées. Il a donc, Paul Biya a donc estimé que, mais c'est quoi cette histoire? J'ai dit bien le sud-africain.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Equinox. L'électricité à tout vent. Non, nous disions que le Sud-Africain, qui est coordonnateur général du site de Yaoundé, s'est offusqué de ce comportement. Parce que, au moins, ils ont les Coupes du Monde, ils ont jusqu'aux Coupes du Monde de football, de rugby, de 2014. En 1994, je pense, et 1996, ils ont eu la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Mandela venait juste de prendre le pouvoir. Donc, les problèmes des volontaires ne comprennent pas que les volontaires ne soient pas bien traités. Il a donc secoué la présidente de la République du Cameroun hier dimanche, le 24. Et comme ça, on a cherché l'argent partout. Je ne suis pas sûr que le trésorier payeur de Yaoundé était là. Donc, ils sont sûrement allés dans une tontine et ils ont pris. Et la seule personne, là, quand même, faut le relever pour l'apprécier. Oui, c'est Hervé Emmanuel Nkom, le responsable du site de Bepanda. Lui, il est au moins sorti. Il a donné des clarifications avec ses garçons. Ça a quand même calmé le jeu en leur disant que l'argent vient de Yaoundé et tout, et qu'il fallait payer tout le monde. Mais ici. C'est quoi cette histoire? L'argent de Yaoundé, hyper centralisation. Yeah. Lorsqu'on parle quand même de l'organisation d'une compétition comme le CHAN, il y a un budget qui est censé être... C'est l'amateurisme, monsieur. Nous sommes au Cameroun, il faut être surpris quand les affaires vont bien. Le budget, partitionner le budget de Douala, le budget de Yaoundé, le budget de Limbé. Vous êtes sûr que le Camerounais qui est responsable du site de Stade Amadou Ahidjo aurait pu secouer et tout dire? Puisqu'ils sont au courant, les gouverneurs sont au courant que ceux qui sont les comités locaux d'organisation sont au courant de cet état de choses. C'est d'ailleurs eux qui doivent veiller. Et quand ils viennent se fâcher contre ça m'a rappelé les propos et le comportement de Nasir Paul Béa. Ou quand les employés de au stade Olimbé, qui portent le nom du président de la République, sont entrés en grève, ils disent il est interdit de faire grève. Mais payez les gens pour qu'il n'y ait pas grève. C'est le comportement qu'ils ont voulu afficher là. Donc ils voulaient dire aux volontaires, vous n'avez pas le droit de... Alors qu'eux, ils sont bien traités. Les gars ne veulent que 2000 francs par jour. Or, le responsable de ci déjà pour moi, c'est un honorable monsieur Ngatou. C'est même un de mes fils, Calvin Joquet. Oui. Il est même invisible, alors que c'est son village. Donc il est transparent. Alors que c'est lui le coordonnateur. Il est le coordonnateur du site de Japouma. Le stade qu'on a inauguré même ça. On n'a pas encore inauguré, président. C'est le stade de son village. Il est porté disparu. C'est là pour ça que j'appréciais quand même le comportement de Hervé Nkom, qui lui... Il est là avec ses gars visibles, il leur dit et il leur tient les langages de vérité. En leur disant que mes gars, mes enfants, vraiment, c'est pas moi, ça vient de Yaoundé. Et il est au téléphone, on le voit, c'est démené, c'est déployé pour que les gens soient payés. Mais ailleurs. Est-ce que, sincèrement, M. Pachou, avec tout le respect que nous devons quand même à notre chef de l'État, est-ce qu'on ne fait pas honte à ce. À cet homme aujourd'hui. Non, avant que Est-ce qu'on ne fait pas quand même honte au chef de l'État? Monsieur Michel Ngatou, je vous dirais non. Rappelez-vous lors de la Coupe du Cameroun, je n'ai plus l'année parce que je suis sorti du football, monsieur Michel Ngatou. Il y a une sportive capitaine qui s'était battue à remettre une enveloppe au chef de l'État en disant nous avons tout fait, tout, voilà l'enveloppe. Ah oui, j'ai oublié le nom. Vous l'avez vu? Qui était entraîné par Bombe Fempe. Voilà. Et cet enfant faisait la classe de 4e au collège, voilà. C'est vrai. Qui avait remis l'enveloppe au chef de l'État. Vous savez, vu que cet enfant, tous ses rêves ont été brisés. Attendez, dans le monde. Qui a semblé, qui a voulu remettre. Elle a remis. Il fallait voir comment le courrier avait bondi. Elle a remis. Il faut voir ce qui est arrivé à cette jeune fille. Elle est confiée aujourd'hui. Voilà. Je prends cet exemple pour dire que vous parlez de quelle honte. Si ça avait été un autre chef de l'État, je ne dis pas non, peut-être le protocole, je ne sais pas comment il s'organise, je ne vais pas avoir des manquements vis-à-vis du chef de l'État, mais il aurait pris la peine d'ouvrir, de lire, en disant, laissez, je vais lire. C'est ma fille. Il lit, c'est en disant, ne t'éloigne pas,
Je crois que le chef de l'État aurait marqué ce jour-là. C'est l'histoire dans le monde entier, on aurait retenu cela, M. Michel. Et voilà, hélas, M. Michel Ngatchou, j'ai encore appris il y a quelques jours, puisque vous m'avez invité là, qu'on est en train de préparer un livre après le silence du président. Il y a Paul Biya, disque dur, c'est Joseph Lundou. Paul Biya, disque dur, c'est un livre à paraître où on raconte 38 ans. Donc, M. Michel Ngatchou, je suis désolé. J'aurai un mot à la parution de ce livre, et pour son auteur, et pour son déploiement. Voilà, donc, il y a le plus facile que vous imaginez. M. Michel Ngatchou, j'ai six enfants qui sont des volontaires. Qui me raconte, M. Michel Ngatchou, que depuis le début, ces gars souffrent, ils sont maltraités. C'est nous, les parents, qui payons le transport. On s'est dit, bon, le déploiement, comme vous avez commencé, prenez, arrêtez les poches, ne vous plaignez pas. Commencez, quand ça va tomber, bon, on va voir, c'est les enfants, nous sommes les tontons, les papas et tout ça. Mais M. Michel Ngatchou, que nous nous retrouvons là, nous sommes en train d'entrer dans la deuxième phase. Que la comptabilité de la première phase n'est pas faite, c'est quand même lamentable. Comment comprendre que sur 600 personnes, je prends un exemple bête, sur 600 personnes, on vous donne 250 kits. Or, la CAF a tout déposé, on vous donne 250 kits. Kits, je parle des kits. C'est-à-dire chasubles, suivettes, pantalons, t-shirts, chaussures pour pouvoir vous déployer. Qu'est-ce qu'ils vont faire après le responsable du stade n'a pas parlé. Pourquoi n'a-t-il pas parlé? Mais on signale aujourd'hui parce que c'est une vérité qui ne doit pas sortir. Que le chef de l'État, que le SGPM ne doit pas connaître ce qui se passe. Mais il faut qu'il sache, M. Michel Ngatchou. Est-ce que vous savez que les produits qu'on a apportés, les pointures en termes de chaussures, c'était 300 chaussures de pointures 37-37 qu'on a remis. Pour beaucoup, ça ne suffisait pas. D'autres, les pieds nageaient dedans. Quand ils partent voir les membres de la poche, ils disent, tu n'as pas une petite. Donc, ben, les petits frères, qui est ici avec. C'est nous qui fabriquons. Quelle organisation? Ils prennent alors les pointures, pourquoi? Parce qu'ils avaient pris les pointures de chaque. Oui, mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est quelle organisation, de quelle organisation on parle? Je vous parle parce que c'est des jeunes. Vous les avez vus s'exprimer. Le responsable, le coordonnateur est où? Pourquoi ne prend-il pas la parole? On s'est dit, on est en plein champ. Il ne faut pas qu'on parle. Il ne faut pas qu'on crie. Il ne faut pas qu'on émeuve. Le monde nous regarde. Mais qu'est-ce que vous faites pour mettre des lunettes sur les yeux du monde? Qu'est-ce que vous faites? Voilà les enfants qui ne parviennent pas à manger, qui se retrouvent parfois de manière grande, comme tu vois comme ça. Oh, grand, vraiment, comme j'étais. Quand ton téléphone sonne, tu as peur que c'est. Attends, mon petit, on sait qu'on te paye, non? Tu es quand même, tu as les frères. C'est toi qui es dans les grandes compétitions. Tu as dit que grand frère, ouf. Je marche à pied pour venir ici. Là, je racle encore même ma mère à la maison pour pouvoir avoir 500. Mais est-ce que c'est sérieux? Lorsque l'affaire, ils ont quitté, ils sont à la Bonanjo, ils ont commencé à faire un bruit. On les a chassés. Le gouverneur était très en colère, M. Michel Ngatchou. Alors, est-ce que c'est le gouverneur qui gère ça? Oui, c'est lui le président. Je veux dire, ils doivent s'assurer. Dans leur feuille de route, justement, chaque président du comité local d'organisation s'assure. Comment ils nous bloquent les routes? Alors, pourquoi la police n'a pas été. Il a le t-shirt. L'autre a le suivette. Pourquoi pas le suivette? Il dit que non, on a éclaté les kits. On a éclaté, le reste est resté dans les restes de la cochonne. Monsieur Michel Ngatchou, comme vous avez dit, ils ont volontairement joué. Oui, ils ont abandonné les volontaires. Toi, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on va devoir vivre ça? Les fonds, les responsables du ministère des Finances ont dit qu'ils ont mis, le ministère des Sports ont dit qu'ils ont mis l'argent de transport à disposition. Qui a bloqué l'argent de sport? Et pourquoi Nonora, fut-il député, se retrouve à faire ce genre de choses? Mais je me demande, nous combattons l'affaire des cumuls, nous combattons, c'est vraiment pouvoir aborder la question des institutions, mais à ce niveau, on a le président des ligues, on a le président, mais on doit associer ces gars à ces activités. Les anciens footballeurs. On doit les associer, ils maîtrisent ces choses. Qu'est-ce qu'un député peut faire là-bas? Donc, il a des problèmes dans son village, il ne peut même pas aller. Voilà, justement, par exemple, alors, qu'on dit tant ça. C'est une manière même de reconversion. Voilà. Léa, par exemple, peut se sentir dégagé. On a les bêtes solo. Voilà les gars qui sont là. Mais c'est le champ, associez-les. Mettez-les de plus. Ils vont galvaniser. Les gars vont être sur le terrain, les présidents des clubs et tout. Mais voilà les clubs, ils sont en train de chômer. Ils sont au stade. Mais mettez-les dans les bon, moi, je, ça va le permettre. Je ne sais pas comment on peut gérer de pareilles choses quand même.
C'est-à-dire, vous organisez une compétition. C'est un peu comme si vous, M. Mbachu, ou Bonbon Bengan, ou Karine, ou Dominique, vous recevez l'équipe de 10-12 chez vous. On veut manger chez vous. 10-12 c'est organisé, on vous a dit, bah, écoutez, nous, on viendra à la maison manger Dominique aujourd'hui. On s'organise, on vous donne 10 000 chacun. Y compris tes 10 000, ça fait 50 000. Mais tu choisis quand même de nous faire à manger à hauteur de 5 000. Mais je sais pas. Mais tu dis que non, gars, comme le dehors est mauvais, on a non, le j'ai une amende. C'est le compte à blague. Sur bon, place, une amende. C'est pas, c'est, je sais pas, mais c'est chez vous. Mais c'est vous qui recevez. Mais est-ce qu'on devait parler des Camerounais comme ça? Ça fait quand même honte, quand même. Vraiment, ça fait honte. Vous voyez toujours ce qui est noir. Après, ils vont dire que c'est nous qui ternissons l'image du Cameroun. Alors, c'est vous, vous ne pouvez pas dire que le Cameroun a organisé le meilleur chaîne depuis le début. Non, non, c'est honteux, Karine. Les messages qui sont faits. Depuis 6 organisations déjà, pourquoi vous voyez que c'est le Cameroun qui est mauvais? Les messages de nos téléspectateurs. Et nous vous demandons vraiment, nous disons merci de rester très proche de nous. La page est de plus en plus signalée, peut-être parce qu'on parle aujourd'hui des volontaires. Et certains se sont mis justement sur Internet, je viens vous signaler. Volontairement. Volontairement. Allez, on poursuit justement avec les messages qu'on a à notre niveau. Karine. C'est vraiment terrible, même les volontaires. Tu veux même faire le bon cœur dans le pays ici. On te fait toujours par derrière. Donc le gouverneur n'a rien de plus important à faire que de s'occuper des volontaires. Quand ce ne sont pas les coupures au stade ou l'affaire des primes des joueurs, c'est maintenant ça. Quel que soit le domaine d'activité, il y a toujours le détournement dans ce pays. C'est notre mode de fonctionnement. 2000 par jour, c'est quoi au vu du travail et de leurs besoins? Mais même ça, on ne donne pas. N'est-ce pas, on avait parlé de 500 000 emplois cette année. Ils vont dire, ils vont vous dire qu'ils ont boosté l'emploi jeune lors du CHAN. Il y en a même qui ne partent jamais au stade, mais qui pointent leur rond. Après, l'autre qui est en France là-bas va dire que c'est nous qui salissons l'image du pays. N'est-ce pas, ils ont construit les stades. C'est ça l'émergence. Tony Franck Damchouat. Monsieur Michel Ngatou, ça fait quand même 7 200 000 francs par semaine pour 600 personnes à un seul stade. Ça fait 7 millions seulement pour Japoma, ça fait 7 200 000 francs à gérer par semaine. Donc imaginez-vous que en la première semaine, on n'a pas payé les 600, la deuxième semaine, on n'a pas payé les 600, la troisième semaine, on n'a pas payé les 600. Vous faites 7 fois 3, ça fait 21 millions. C'est pas rien, M. Michel Ngatou. Vous, vous pensez que c'est à négliger? C'est tout un pactole qui avait été remis par, pour chaque pôle, chaque stade à un coordonnateur. Et il y a des fonds qui sont déposé, si c'est 2000 fois 600, ça fait combien? Donc vous vous rendez compte que nous vous pensez négligent une langue 2000, monsieur Michel Ngatou, rassemblé, ça fait du costaud. Effectivement, vous accepterez de travailler pour 2000 francs en tant que volontaire? Oui. Non, pour les étudiants, les jeunes étudiants et tout ça, c'est possible. Ce n'est pas seulement le gain en argent. D'abord, voilà. Ça aide. La satisfaction d'avoir servi. D'avoir servi, le patriotisme. Attendez, cher ami, il y avait des écoles ici, l'INJS, l'école normale supérieure, l'ENAM, l'école des travaux publics, l'OCUS, l'école nationale supérieure polytechnique. De manière systématique, tous les étudiants allaient en service militaire. L'équipe nationale d'ailleurs de football. Il y en a même qui en sont sortis avec des grades de militaires. Mungam Dagobert, par exemple, on appelait Barreta. Il y a tous. Donc, le patriotisme, ça prend comme ça. Quand les jeunes s'engagent à faire des actions volontaires pour le pays, et ils doivent, on leur dit, non, on ne va vous donner que l'argent pour acheter de l'eau. Et ils acceptent. Au moins les simples commodités d'usage. Il faut le faire. Le pack, il faut le faire. Justement, ça commence la discipline en disant, aujourd'hui, c'est le polo pour tout le monde, plus tel survêtement de telle couleur. Demain, ce serait le survêtement. C'est comme ça qu'on commence à d'abord encadrer et amener les gens dans l'éducation à la citoyenneté. Merci. Mais ici, quand vous dites, je veux être un bon citoyen, on vous piétine, on vous écrase. Qu'est-ce qu'on fait donc? Rien n'empêche. Rien n'empêche ces jeunes de rester. Devenir des mauvais citoyens, c'est-à-dire commencer à revendiquer, à dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts de la population. Quitte au gouverneur de s'énerver. Toujours est-il que vous êtes un bon citoyen. Merci beaucoup, Karine. Les messages.
Rien n'empêche ces jeunes de rester chez eux une fois qu'ils ont constaté que leur volontariat ne coûte plus cher, leur coûte plus cher que s'ils étaient restés couchés dans leur maison. Il faut savoir ce que l'on veut dans la vie au lieu de se plaindre en permanence. Non, il ne dit rien. Tu t'engages pour ton pays, les gens qui sont là passent. C'est comme les volontaires. Voilà, et vous revendiquez. Des dons de sang, non? Ouais. Après, vous avez. Envoyez les cœurs, ouais. Je vous en prie. C'est l'argent qui. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. C'est l'argent qui lui monte à la tête. Comme il a un peu, il pense qu'on devrait se plier à ses pieds. Heureusement qu'il est tombé sur une famille qui a encore sa dignité, qui laisse la fille d'autrui en paix et va chercher celle qui sera parfaite pour lui et sa famille. Vanessa Paradis qui écrit ce matin. Vanessa Paradis, elle regarde. Dieu demande à la femme d'être soumise. Quand vous entrez dans une famille, vous devez respecter la belle famille et éviter les esprits de conflit. Aujourd'hui, les jeunes filles ont déjà même les appréhensions fausses sur la belle famille. Du coup, elles entrent dans cette famille avec un esprit de guerre et de conflit. Non, quand tu aimes ton homme, sois sage et apprends à connaître la belle famille afin de mieux vivre. Thierry, Michel, là, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit et je profite pour répondre à Dominique Audrey. Qui a employé un langage désoccidentalisé, la lèche. La lèche. Vous savez, aujourd'hui, M. Michel Ngatchou, on a désacralisé tout à telle enseigne que pour un rien, ça devient Facebook. Pour un rien, ça devient WhatsApp. On vous trouve en train de manipuler votre sel sur le bord de route, en train de faire vos rituels, on filme. On trouve le pauvre musulman en train de prier, on filme. On met sur WhatsApp que papa, la façon que le gars l'a pris, j'ai cherché le couteau sur lui, je n'ai pas trouvé. Regardez jusqu'où on banalise des actions sacrées. On a l'impression, aujourd'hui c'est tout le monde qui a des scoops. Les jeunes filles qui voulaient entrer dans le mariage s'entraînaient sur la tête des petites filles, de leurs belles petites sœurs dans la concession. Dominique Audrey, je vous draguais à cette époque. Vous vous rendez compte qu'entre vous et moi, ça donnait. Pour pouvoir me séduire, tous les dimanches, vous devez coiffer mes petites sœurs. Vous venez coiffer mes petites sœurs. Et une fois ou toutes les deux semaines, vous venez coiffer ma mère. Donc, et pendant que vous coiffez... Permettez-moi. C'est vous qui voulez extrapoler. Vous venez tresser ma mère. Et pendant que vous tressez ma mère, elle vous observe. Elle mesure la capacité de vos doigts à jongler sur sa tête. Elle ne vous regarde pas, mais elle mesure comment vous jonglez. Si vous serrez le fil dans la zone qu'elle a les maux de tête, la nuit, je ne vais pas dormir. Parce qu'elle m'a dit, hein, celle-là m'a coiffé, c'est comme si vous avez les problèmes. Vous allez commencer à discuter avec elle. En fonction de comment on va l'apprécier dans le quartier, elle va dire, c'est ma belle petite fille, c'est l'ami de telle qui m'a coiffé, l'enfant de telle. Mais vous pensez aujourd'hui avec vos expressions, la lèche, aller faire les courbettes, les courbatures. Vous voudrez changer le monde. Ne viens pas coiffer, je te parle. Mais je ne viens pas. Ne viens pas chez moi, ma coiffée, je te parle. Je ne viens pas. Je t'amène où? C'est toi qui veux le mariage, hein? Moi? C'est toi qui veux. Je t'ai dit que ça semble pas. Mais l'histoire du jour, le garçon ne voulait pas l'enfant. C'est la fille, la fille qui lui a collé l'enfant au dos. C'est la fille qui lui colle l'enfant au dos. Maintenant, quand le gars dit, je peux pardon, dit, laisse d'abord, elle doit aller à l'école. Le gars dit d'accord. Voilà. Qu'elle aille à l'école, elle attend 4 ans. Quand le vieil dit, maman, je ne peux prendre que 4 enfants, mais voilà, mon ventre là ne va pas prendre. Le gars dit d'accord. Mais tu auras une co-épouse. Zéro. Mais écoutez. Monsieur Michel Ngatchou, attention. Vous la barrez. Dominique, je dis quelque chose. L'homme qui vient épouser une femme, méfiez-vous, ne vient jamais à 100%. Il a toujours un plan B. Tout le monde a un plan B. Oui, mais quand vous dites que et tu viens m'épouser, non. Mais en arrivant, je sais même qu'on peut dire que ce n'est pas bon. Monsieur Michel Ngatchou, quand vous dites que tout le monde a un plan B, Dominique. Tout le monde a un plan B. Cette fille avait un plan B. Elle colle un peu filet dans tout le monde a un plan B. Toutes les femmes ont un plan B. Oui, même quand un homme vient vers une femme pour demander un mariage, elle a un autre prétendant. Donc tout le monde a un plan B. Donc ça pourquoi alors filer un enfant à son garçon? C'est pas une affaire de chouette. Ils ont fait l'enfant, ils ont fait des bisous. Ils ont fait l'enfant. J'avais une inquiétude tout à l'heure. J'avais une inquiétude. Je pose encore la question simplement. Comment peut-on vouloir épouser une femme
quand on se rend compte qu'elle a de sales habitudes, je parle comme un garçon. Permettez, non, non, ne nous agitons pas. Expliquez-nous. Ça, c'est le gros français. Je reviens sur l'histoire du jour. Je reviens sur l'histoire du jour. Je reviens sur l'histoire du jour. L'histoire ne dit pas qu'elle a les sales habitudes. Non, il a dit. Elle ne flatte pas sa belle famille. Elle a dit. On peut relire les thèmes de l'histoire. On peut relire. Elle a justement dit ici que ce garçon a très bien dit que cette fille n'avait pas de bonnes habitudes, de bonnes attitudes. Elle ne flatte pas sa famille. Non, alors, monsieur, maintenant je dis, je pose encore la question, Dominique Audrey et Karim, puisque ça semble beaucoup gêner. Comment une femme veut entrer dans une famille et ne prend pas la responsabilité justement de faire bon, de faire montrer de bonnes attitudes vis-à-vis de monsieur. Donc vous validez les filles qui restent dans les maisons sans être mariées. Ce qui lui plaît sur cette fille. Vous validez vos seules questions dans les familles sans être mariées. Monsieur Gachou, laissez la validation. Ce n'est pas une seule habitude. Ça, c'est les périphéries. Les filles aujourd'hui travaillent un seul aspect, le sexe. Et je regarde la télé. Le sexe. C'est des femmes de Aston. Elle attend le gars et dit que le gars là, je le tiens. C'est le sexe. Et on le courage. Or, le garçon qui vient chercher la femme cherche la stabilité. Monsieur Michel, c'est important de le dire. L'homme qui vient cherche la stabilité. Mais la femme s'en tient à devenir charognée. Et vous aimez ça. Et vous aimez ça. C'est comme à vous. Vous dise, vous prenez le téléphone de deux femmes, même sur le plateau, si on peut tester. Demandez d'aller dans le téléphone. On peut prendre même sur le plateau aussi. On dit, donne-nous le numéro de la grand-mère, de la grand-mère de ton gars. Elle n'en pas. Elle va me rappeler pourquoi. Je l'appelle, elle va me dire quoi. Je suis non, voilà le téléphone. Voilà ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà ce qu'on vit. Peut-être qu'il a mal parlé, mal employé l'expression avoir des sales comportements, des sales attitudes. Monsieur Michel, nous on a connu notre époque, nous on a vu comment nous sommes partis. Vous voyez, la jeune fille, elle improvise un vendredi. Elle vit à la maison. Ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Le vendredi, elle arrive et dit que maman, aujourd'hui, c'est moi qui te fais à manger. Elle prend le sac du marché le matin. Elle va au marché. Elle fait le marché. Elle rentre. Elle doit sentir ça. Mais c'est la Monsieur Gachou, il y a un problème. Même dans les relations, personne ne va dans une relation avec quelqu'un en disant que il faut que j'aille faire comme ça chez ma belle-mère, il faut qu'elle fasse comme ça pour qu'elle m'accepte. Non, c'est pas comme ça. Laissez-moi terminer. C'est pas comme ça. Quand vous arrivez, c'est en fonction de ce que le gars vous dit, de comment se fait dans sa famille, que vous savez comment vous allez faire. S'il ne vous dit rien, lui-même il vient chez vous, il veut épouser votre fille. D'abord, il veut la polygamie. Ça ne veut pas elle. À qui? Il y a quoi sur lui? Il y a le miel. Vous savez. Justement, il y a l'entorse. Si on laisse Karine développer comme ça, justement, voilà ce qui les amène à ne pas faire le mariage, à ne pas savoir même ce qu'on appelle le mariage. C'est qu'on a passé ce qu'on dit là depuis 4 ans. Moi, je veux voir toutes mes soeurs être mariées, y compris vous. Permettez. Oui, je le dis. Pourquoi? Vous m'excusez. C'est pas nécessaire. Lorsque vous voyez. Non, quand vous avez le sentiment que vos soeurs ne se comportent pas bien et que vos soeurs doivent aller en mariage. Vous, en tant que grand frère, qu'est-ce que vous faites? Vous l'amenez, vous dites... Grand frère, vous êtes marié? Vous avez épousé votre femme? Mais écoutez... Parce qu'il faut prier aussi. Non, les filles, vous voulez une stabilité. Elle est prête à faire 4 enfants avec 4 hommes différents. Alors vous voulez stabiliser. Bon, vous allez la stabiliser comment? En étant polygame. Vous allez la stabiliser comment? Donc nous voulons donc les amener comme vous les occidentalisez. Vous ne voulez pas l'école du mariage. Oui. Amenez-les dans les centres psychiatriques pour traiter ça. On va se gérer avec. Le mal est pour toi, merci. Je voudrais dire quelque chose, Michel Gachou. Le garçon a mentionné, et je vous ai demandé de lire le message, vous l'avez lu. Le garçon a dit que je lui ai posé la question. Oui, il a dit
je lui ai posé la question, quelles étaient les autres conditions du mariage? Il m'a dit la dot, la mairie et l'église avant tout. Et même le simple comportement de flatterie, elle n'a pas manifesté. À quel moment on a dit, il a dit qu'elle n'est pas proche de sa famille? C'est vous qui l'avez dit ici. Wonderful. On peut encore, si vous voulez, on peut remettre l'émission en début. C'est vous l'avez dit. Allez, merci à vous. Merci. La revue des réseaux sociaux, Karine. Je vous Premier en prie. Sujet de la revue des réseaux sociaux, on parle de cette liste de 452 locataires insolvables des logements sociaux en voie d'expulsion. Ces derniers sont priés de libérer les logements qu'ils occupent désormais sans titre, conformément à l'article 5 du contrat de bail. Ça, c'était la décision prise par le directeur de la SIC, Sardaouna Amadou, qui a décidé ainsi, justement parce que ces derniers, ça fait bien longtemps, ils n'ont pas payé leur loyer et ils sont passibles de poursuites judiciaires s'ils ne libèrent pas très tôt. Maintenant, vous savez aussi toutes les critiques qui sont souvent formulées contre les logements sociaux, encore les SIC au Cameroun, entre le fait que ces derniers logements n'abritent pas forcément des fonctionnaires nécessiteux ou encore que le fait que ces logements parfois sont sous-loués par des anciens locataires à de nouveaux locataires. Donc, il y a un ensemble de récriminations qui sont soulevé, mais il faut dire que depuis 2019 que le nouveau directeur est arrivé, il mène une lutte contre ces locataires qui ne payent pas le loyer. Merci beaucoup. C'est une situation également qui fait parler plus d'un aussi sur la toile, parce que vous l'avez très bien dit, Karine Sontia, ça se vit au Cameroun et on va peut-être pas... peut-être nous saluons d'ailleurs ceux qui nous regardent ce matin qui sont dans ces logements sociaux, notamment ce qu'on appelle abusivement les Kansik. Bon, c'est pas abusivement, c'est d'ailleurs l'appellation et qui allait avec, que ce soit Yaoundé, notamment au niveau de Messa, que ce soit à la Cité Verte, que ce soit à Mendon, que ce soit à Biémassi également. Nous vous saluons parce qu'en réalité, c'est une situation que tout le monde connaît. Et on sait comment ça se passe aujourd'hui. Ici à Douala, on parle de Bonamoussadi, on parle de Coton également. Oui, je pense que c'est deux. Il n'y a que deux. Non, c'était si bon. Est-ce qu'il y a encore des logements sociaux? On parle encore de logements sociaux à la STC? Non. C'est compliqué aujourd'hui. Hein, avec. Oui, il y en a plus. Alors, qu'est-ce qui peut bien expliquer que des gens qui soient dans des cités, dans des cantiques en réalité, où le loyer est aussi bas, parce que nous sommes dans le quartier, les quartiers compliqués, où c'est très compliqué là-bas, mais vous êtes quand même dans des quartiers où le loyer est bas, 25 000, 35 000 parfois, et que l'on vient vous mettre dehors parce que vous êtes incapable de payer votre loyer. Pourtant, vous êtes pour la plupart de ceux qui occupent cet espace des fonctionnaires Mbombo Mbenga. Qu'est-ce qui explique cette façon de vivre là? Le marchandage. En réalité, ceux qui ont occupé, ce n'est pas eux. Ceux qui ont signé le contrat, ce n'est pas eux qui occupent. Ils ont sous-loué. Ils sont des bailleurs. Ils sont des bailleurs, voilà. Ils ont pris parce qu'ils sont des bailleurs. Il te fait loger parce que lui paie 35 000 là-bas. Lui, or, vous lui versez 50 000. Maintenant, comme il n'est pas là, et le gars qui l'a mis là pour percevoir le loyer, peut-être ne reverse pas ça à toi, être sa cousine, et son fils, son neveu, et tu vois là. C'est-à-dire qu'on prend les biens publics, comme c'est le cas effectivement, on s'amuse. C'est notre habitude. On torpille, comme on dit souvent. Tout à fait. Notre habitude, et moi je dirais d'abord au directeur général de la SIC de revenir dans ce logement SIC d'avant. Parce qu'ils ont les fichiers de ceux qui ont pris, il y en a qui ont pris la retraite depuis longtemps. Il y en a, ils ne vivent plus. Donc, de répertorier ces logements-là, de les récupérer et de procéder à des travaux de réfection. Maintenant, pour les nouveaux-là qui sont arrivés, vous avez vu, il y avait eu le comportement de Mme Ketia Courtès. Il venait mettre les gens comme ça. En réalité, il y a beaucoup de gens qu'on a mis là, simplement pour montrer, pour dire au chef de l'État que c'est occupé. Alors que c'était des gens, on met, on a même créé des sociétés immobilières qui appartiennent à ces ponts du régime. Mais comme c'est des sociétés fictives, et le directeur de la SIC est donc en droit aujourd'hui de se poser des questions. Donc en fait, vous allez voir que Mbombo Bengan a pris ici, il a pris son fils aîné, il a donné là-bas, sa fille l'a donné ici, le petit frère de son époux, il a mis là, ainsi de suite. Donc ça va faire par exemple 20 loyers pour Mbombok, pour payer les 35 000 tous les mois, puisque j'ai mis les gens qui n'ont pas la capacité de payer. Et moi, je voulais lever en attendant qu'il y ait des sous-locations.
ça aussi, cette formule-là ne marche pas nécessairement. Pour vous qui avez connu le départ de 55 bonbons, moi très jeune d'ailleurs, nous apprenions que sous l'ère Aïdjo, c'était des camps, c'était des logements sociaux initiés pour des familles démunies, pour des fonctionnaires qui partaient. 1972, c'est sa fille qui est l'actuelle présidente du tribunal, il est procureur général du tribunal criminel spécial, Madame Baoumi Batende. Quand son papa remplaçait Anatole Bongo à la tête de la direction des douanes, il s'est passé quelque chose de terrible. Voilà M. Baoumi Batende, Dion, il est nommé DG de la douane. M. Ebongo n'a pas encore de date. Il est là, il attend. Gardien réduit. Il a fallu un jour, M. Baoumi a dit, mais M. Baoumi, c'est vous que j'attends pour vous montrer le... Il dit, ah oui papa, vous voyez le respect. D'abord, quand il est nommé, il sait à quel moment il prend les... Je veux dire, il y avait des problèmes d'éducation, de respect, de trucs qui n'existaient plus. Alors, vous parliez des aménagements ici qu'à l'époque. Il était hors de question que vous trouviez des maisons sales. Avant les saisons de pluie, on remettait les peintures. Et même les enfants qui étaient logés, en fait, quand je dis logés, les parents qui étaient logés, il fallait voir le comportement des enfants. D'abord, il y avait les aires de jeu. Je pense que vous nous avez parlé ici. Voilà. Comment on vendait même les espaces verts. Oui, c'était respecté. Et les gens savaient qu'ils quittent Tassik pour aller acheter l'air à Tchomo, loin. Mais maintenant, à peine on vient construire, on met le baigneterie là. On commence à faire des choses et tout. C'est terrible. Donc, il y avait un respect. On savait que c'était un endroit calme. C'est pour... un type de, parce qu'il y avait il y a des strates sociales quand même. On sait que voilà des gens qui sont jeunes fonctionnaires nouveaux, ainsi de suite. Et ça allait vous parler de vivre ensemble. Il y avait un vivre ensemble inimaginable dans le classique. Parce que vous... avec les terrains de sport, bien sûr, des certains nombres de choses. Vous voyez, parce que ça allait avec un type de comportement. Voilà. Aujourd'hui, le renouveau a tout bradé. Filouterie de loyer quand même, ils sont un peu plus de 400 000 de côté par la société immobilière du Cameroun, Dominique Audrey. Je le disais encore tout à l'heure, les montants sont tellement bas, 25 000, 35 000, au max parfois 50 000, quand on occupe un appartement, dans un temps cycle, et qu'on soit incapable de payer. Bon, on parlait tout à l'heure de sous-location. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça se passe à la complicité même de cette SIC aujourd'hui? C'est-à-dire que qui ne fait pas son travail. Descend sur le terrain en permanence pour surveiller, pour se rassurer que les choses se fassent véritablement. Je crois que annoncer le dégrappissement de ces 400 et plus de personnes par M. Sardaouna, j'oublie le deuxième nom, je crois que c'est ça le début de son travail. C'est ça aussi. Ça prend certainement du temps, mais il aurait été, c'est certainement à l'issue d'un toilettage, peut-être du fichier, qu'on s'est rendu compte qu'il y a 400, voilà, et tel nombre de personnes qui ne sont pas enregistrées, mais qui occupent les locaux. Donc c'est une très bonne chose et il faudrait qu'on les mette dehors. Ces personnes ne sont pas dans l'incapacité de payer. C'est juste qu'ils ne payent pas à l'endroit où il faut payer. Parce que pour entrer là-bas, il faut bien passer par quelque part. Il faut bien passer par quelqu'un. Et moi, je connais quelqu'un qui dit que lui, il est prêt à acheter la clé à 2 millions, je crois, monsieur. 5 millions, voilà. Par exemple, à 5 millions à quelqu'un. Les clés de 5 et de 10 millions. Voilà, les clés de 5 et de 10 millions pour pouvoir acquérir un local là-bas. C'est fou. Vous achetez une clé d'un cancique à 10 millions, oui. Alors qu'avec 10 millions, vous pouvez construire au Cameroun. 5 millions, vous pouvez construire au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, monsieur Mbadiou? Comment on comprend ça? Monsieur Michel, vous aimez fouiller les peaux sur la tête de Frère Manou de Bamou. Malheureusement, vous ne réussissez pas. Est-ce qu'on a déjà résolu la question des 10 000 logements? Non. Nous sommes encore à 2 000. Mais on veut déjà régler la question des 400 et tout. C'est petit, hein? Le chiffre de 452, là, c'est petit. Monsieur Michel, les maisons du camp SIC des nouveaux logements sont encore vides. Que M. Sardaouna, ou c'est Sardaouna, excusez-moi, se batte à faire équiper ces différentes maisons. Pourquoi rire, vous, M. Michel Gatchou? Qu'il commence à faire occuper ces maisons. Premier point.
Deuxième point. C'est M. Sabaouna, pas Sabaouna. Monsieur, pardonnez-moi, vous savez, l'appellation peut m'échapper. Oui, vous savez, ça donne même des illusionnaires à dépasser Dominique. Oui. Donc vous voyez, on est tous victimes de ça, c'est lundi matin. Que les spectateurs nous pardonnent. Oui. Vous savez, quand on parle, on dit certaines choses, ça provoque des colères. Là, le prédécesseur de l'actuel directeur général, dans une des chroniques que j'avais fait, s'était engagé à l'épuration totale de ce type de personnes au sein de la SIC, M. Michel Gadiou. Les interventions étaient parties de la présidence de la République. Rappelez-vous qu'il y avait une maman qui avait, où elle avait perdu son mari et tout, et il y avait eu une décision par la suite de la première dame qui avait demandé que cette femme reste là. Et quelques mois après, on l'a expulsée. Je crois que c'est l'année dernière qu'on l'a encore vue dans les réseaux sociaux. Elle demandait, on venait de la mettre, de l'expulser littéralement de ces camps-ci. Le Cameroun évolue en lobbying. Le Cameroun évolue, M. Michel Ngatiou, en cooptation, intervention, recommandation. Vous allez vous rendre compte que Momboka dit que c'est X qui a tout un quartier, c'est Y qui a tout un village. Un cancer dans une zone est géré par des individus. La clé, parfois, que vous croyez que c'est celui qui sort, qui vous vend, ce n'est pas le lien des marcheurs. Il y a un antimetteur qui vous dit que non, ici, là, c'est temps, parce qu'on reverse ce temps au directeur, parce qu'on gère. Oui, je suis d'accord qu'ils viennent. Oui, je suis d'accord qu'il parle de 452, mais je vous dirais que sur les 452, c'est à peine 10, 50 malchanceux qu'on va mettre dehors. Le reste va se retrouver là. Est-ce pour autant, depuis plus de 40 ans, 30 ans, 20 ans que ces gens sont là, qu'on a réussi à dire, monsieur, vous n'êtes plus un jeune fonctionnaire libéré? Est-ce que c'est pour autant que le ministère a mis sur pied, le ministère de tutelle, a mis sur pied des mécanismes pour dire, on est jeune fonctionnaire? Comme Bambok dit souvent, pendant 5 ans, après 5 ans ou 10 ans, libéré, vous avez eu la possibilité de vous offrir une maison. Tant que ce mécanisme ne sera pas mis, ce sont les bailleurs tout simplement. Merci beaucoup. Karine, deuxième sujet. Le deuxième sujet concerne la santé encore de coronavirus. Déjà 7 décès enregistrés en une semaine. Le ministre de la Santé, le docteur Manaoud Amalachi, a produit un communiqué portant la connaissance qui s'adressait notamment au comité national de coordination des préparatifs de l'introduction du vaccin COVID-19 au Cameroun. En fait, ce qui se passe, c'est que face à la montée des contaminations, le ministre a décidé de mettre sur pied un comité qui aura pour but de sensibiliser, communiquer afin que les Camerounais acceptent volontairement le vaccin COVID-19 au Cameroun, puisqu'on a souvent critiquer le ministère de la Santé sur ses stratégies de communication. Cette fois-ci, on a mis une task force qui va communiquer sur l'acceptation du vaccin. Et dans cette task force-là, il y a plusieurs ministères qui sont introduits. Ministère de la Communication, ministère des Affaires Sociales, ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation Civique, ministère le MINAT, le ministère de l'Enseignement Supérieur, ainsi de suite. Donc, plusieurs ministères qui vont composer cette task force-là pour sensibiliser. Alors que nous savons bien qu'en Europe, il y a une campagne de non-acceptation de ce vaccin. Des gens sont en train de fuir la France pour l'Espagne parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, Karine Sontia. Il faut bien sûr le dire. Les Anglais sont en train de fuir l'Angleterre pour certains parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. En Australie, ça fait problème. En Russie, ça fait problème parce que les gens n'ont pas confiance au vaccin. D'aucuns vont jusqu'à dire que le vaccin modifie l'ADN. Et que c'est pour éliminer les gens. Comment le Cameroun veut aujourd'hui imposer un vaccin à travers ce qu'ils appellent un task force communication et sensibilisation autour d'un vaccin? Mais Charles Mbadjou, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va où? Monsieur Michel Ngadjou, si la régie peut venir là, il y a un bon un commentaire. Faites défiler. Ce n'est pas ça à la régie. Commentaire qu'on a envoyé là. Voilà le commentaire. C'est ça qui m'a interpellé, monsieur Michel Ngadjou. Voilà un peu ma pensée en ce moment, je ne le dirai pas, mais c'est ma pensée. Parce que vous et nous ici, nous avons fait une colère, M. Michel Ngatou, il y a quelques semaines, où on soulevait la question de la recrudescence de l'affaire de COVID-19.
On a décrié que les mesures barrières n'étaient pas respectées. Rappelez-vous, on a décrié que les 18 mesures barrières qui avaient bien évidemment été dictées par le Premier ministre n'avaient pas été respectées, qu'il était temps qu'on revienne, que devant les entreprises pour y avoir accès, on devait se munir de son gel hydroalcoolique, on devait se munir de son masque. Mais M. Michel Mathieu, ce n'est pas ça la DA. Pas du tout. Ce n'est pas ça. Pas du tout. Le ministre a peut-être fait cela, mais l'optique, c'est de parler du vaccin. L'optique dans laquelle on parle, c'est pour le vaccin. Ce n'est pas pour dire aux gens que respecter les mesures barrières. On devait recommencer, M. Michel Mathieu, on devait reprendre avec les marchés. Et fermer les marchés comme ils avaient prévu. On devait dire on ne bâche plus dans les taxis, on ne bâche plus sur les motos parce que la nouvelle variante. Procéder à un confinement. C'est non, mais c'est pas le ministre avait dit que la nouvelle variante n'est pas encore demander la nouvelle. Pardon ? Il avait dit que la nouvelle variante n'est pas encore ici. Comment il sait ça? Et les 5 personnes qui sont décédées. D'abord, voilà, peut-être à la maison. Non, j'aimerais vous chuter, vous en prie. Non, allez-y, parce que là, j'ai déjà atteint la colère. Bon, moi, je voulais comprendre, permettez. Monseigneur Samuel Peda, qui vient d'être nommé comme conseiller auprès du pape François, comme conseiller à la santé, nous a dit ici au Cameroun, j'ai vaincu le coronavirus. Comment est-ce qu'on ne peut pas faire confiance à Monseigneur Samuel Peda, l'amener à mettre au point, on va dire, sa solution contre le Covid-19 au Cameroun? Et vouloir tout faire pour amener les Camerounais à un vaccin qui a encore refuté, même pas le laboratoire, on va dire entre guillemets, certifié de l'Occident. Monseigneur Cléda, il me regarde. On a appelé au Vatican pour aider le pape au dépaysement de l'Afrique. Si vous voulez dire à la diminution de la population africaine, c'est pour ça qu'on l'a appelé. Vous voulez regarder les choses à l'envers. Ce n'est pas parce que vous dites qu'ils sont les hommes de Dieu. Le pape s'est vacciné lui-même. Mais est-ce que c'est le vaccin contre Covid qu'on lui a administré? Non. C'était justement pour amener nos pays à prendre le vaccin. Qu'est-ce qui est dans ce vaccin, vous ne pouvez pas savoir. Si le pape voulait effectivement aider son collaborateur, Monseigneur Cléda, il existe une chaîne hospitalière catholique en France, tout le monde connaît, qu'en matière de recherche sur la médecine, après l'armée, c'est l'Église catholique. On aurait donc pu, parce que l'Église catholique au Cameroun, est-ce que ça n'a même pas des hôpitaux, c'est des dispensaires, Jean-Paul II, ceci, et ainsi de suite. Il y a l'hôpital des Sœurs de l'Opam, bon, on vous fait. Qu'on les rende donc en véritable hôpitaux, c'est-à-dire l'administration des soins et les recherches. Or, le pape n'est pas dans cette posture. Le pape est dans la posture de l'Organisation mondiale de la santé pour réduire la population de l'Afrique. J'ai peur qu'on amène Cléda comme on voulait faire avec le président de Madagascar. C'est-à-dire qu'on dit, bon, ton affaire la laisse un peu. Maintenant, pour l'autre chose, la COVID-19, c'est une méchante grippe. Tout le monde sait. La particularité de ces grippes, c'est quoi? C'est de cette grippe, c'est que elle peut faire coaguler le sang et étouffement. Or, depuis que l'humanité existe, il n'existe pas de médicament qui soigne la grippe. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes 5 sur ce plateau. Si nous sommes tous grippés, chacun aura une mutation de ce virus qui est différente à l'autre. Donc nous aurons en fait 5 grippes différentes. On peut donc nous vacciner contre quoi? Puisque ce qu'on soigne dans la grippe, ce sont les coulées nasales et c'est la toux. Covid donc, pour vaincre Covid, tout le monde connaît la formule. Il faut seulement qu'on s'entende sur quel type d'antibiotique. Mais au moins, on sait qu'il faut un antipalidéen. Parce qu'il faut un antipalidéen, il faut la vitamine C et un antibiotique. Et quel antibiotique? Nous avons une kyrielle de tout. On reviendra sur cette dans les jours à venir. Manaouda Malachi veut nous amener au vaccin parce que justement, ils vont en France et viennent. Et comme la France exige ça, il faut donc qu'on se conforme à cela. C'est la même chose. Deux personnes, laissez-moi vous terminer. Deux personnes pour nous aider. Vous vous rappelez bien des avions du 17 mars 2020 qui nous ont contaminés parce qu'au Cameroun,
COVID n'est pas un problème de santé publique. Jusqu'au gouverneur. Il y a le directeur du port autonome de Douala. Il avait procédé à une belle action l'année dernière. Très bonne action. Les équipes allaient faire le dépistage au lieu qu'on appelle bouée de base. Donc, on allait dans les navires. Dès lors que vous étiez détecté positif, on vous confinait là-bas. Maintenant, ça a changé. Il faut qu'ils reprennent la position. Maintenant, on vous fait des dépistages à bord. Donc, à l'époque, on ne permettait pas aux bateaux d'accoster. Maintenant, on laisse les bateaux accoster. On vous fait ça là. Et dit, ok, c'est pas bon. La même chose au niveau des aéroports. Donc, on peut contenir ça de cette manière. Le temps nous tient véritablement. Mais je pense que, étant donné que l'émission tend à sa fin, on va peut-être revenir sur ce sujet dans les jours à venir aussi. Avec cette déclaration de cette chercheuse médecin, docteur américaine, qui est revenue à travers une conférence de presse, le dire en MondoVision que le zinc vous appelez ça quoi, les deux médicaments qui l'azithromycine et la chloroquine soignent le Covid. Elle ne comprend pas d'où vient ce projet de vaccin. Et elle dit avoir soigné des personnes et des personnes avec cette solution. Mais il est impossible. Mais maintenant, les Camerounais vont prendre un vaccin. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on sait justement qu'on est dans un pays où les gens ne sont pas suffisamment allés à l'école, on va se servir de ça pour pouvoir tuer les Camerounais. Mais il faut se réveiller très vite quand même. La politique, je vais vous brailler. Merci, cher Lamel. À demain.